Bonjour, peuple de Gotham City. Aujourd'hui, nous allons rétablir la vérité, non pas avec un, ni deux, ni trois Batman, mais presque quatre Batman. Bienvenue à StreamVF. Tu dois devenir la plus affreuse des pensées. Un spectre. Dans mon rêve, elles m'ont porté vers la lumière. Sublime mensonge. Tu vois, je suis là. Alors, tu te dis prêt à abattre la chauve-souris gratuitement? J'ai peur de mourir ici. Pendant que ma ville brûle, il n'y a personne pour la sauver. Tu sais comment disparaître? Nous pouvons te montrer comment devenir invisible. En 20 ans à Gotham, Alfred, on a bien vu ce que valent les promesses. Combien reste-t-il de types bien? Combien sont restés intègres? Attention, ça va faire beau. Je suis la vengeance. En route. Rouge, cap noir. Quelle belle affiche. Le plus grand combat de gladiateurs de l'histoire de l'humanité. Dieu affronte l'âme. Jour affronte la nuit. Le fils de Krypton affronte le Bat de Gotham. J'ai encore quelques amis. Ils sont prêts à t'accueillir. Oh mais quelle entrée, quelle musique d'intro, quelle vidéo, bravo Rich Scorsese. Pour une fois t'es pas viré, on est avec toi. Je me régale d'avance de cette émission. La dernière fois qu'on s'est fait plaisir comme ça, c'était une spéciale Spider-Man. On réédite l'opération 100% Batman. Je vous ai vu dans le chat, nous on ne va pas pouvoir spoiler Batman parce que je l'ai pas vu le film, j'ai fait que mes scènes. Donc du coup on reste comme pas spoilé. Et je pense que c'est pareil pour tous nos invités que je vais m'empresser de vous présenter. Je commence par la gauche, tu m'excuseras Carole. Ah bah oui. Bon, bah voilà, Carole Quintaine, merci. Bah, bonjour, comment ça va? Ça va, notre Batwoman? Bah écoute, oui, non, bah, je suis ravie d'être là. D'habitude, je dis que je suis Batman, mais ce soir, je peux pas. Ah. Donc, je vais être Batwoman ce soir, je suis ravie d'être là. Bah, en tout cas, on était ravis de pouvoir te compter parmi nous parce que bah, tu connais magnifiquement la saga et de pouvoir m'épauler, bah, voilà, poser des questions à nos invités sur l'univers Batman. Tu seras plus que calé sur le sujet. J'allais commencer par la gauche. Nous allons commencer par celui qui a incarné Batman depuis un petit moment, mais ô combien resté dans les annales, Philippe Valmont. Comment vas-tu ? Ça va ? Ça va très très bien, ravi d'être avec vous ce soir. Oh ouais, parler du projet, c'est fou. Il est là, Christian Bale, il est là avec toi. Il est à côté de lui, ce n'est pas Christian Bale, c'est Robert Pattinson, alias Thomas Roditi. Comment ça va, Popo? Eh ben, ça va vachement bien, et toi? Ouais, alors, on a un petit souci avec Haroun, le taxi, qui a décidé de venir. Haroun. Ouais. Où que tu sois, Haroun, sache que la confrérie Batman est avec toi. Tu peux nous appeler, on est là. Ah, attends, il a confondu, il est à Gotham City. Peut-être. C'est ça. Peut-être. Okay, tout va bien. Il est à ma droite, la chaise est à son nom, troisième participation, Boris Rehlinger, alias Ben Affleck. Bienvenue. Bah, merci, mon Donald. C'est vrai que bientôt, tu m'as proposé une chaise avec mon nom. Oui. Et, je veux bien. Je te jure que la prochaine fois que tu viens, tu en auras forcément une quatrième. Il y aura marqué Boris Rehlinger. Bon, en tout cas, grand plaisir de vous avoir tous les trois. Évidemment, beaucoup de Batman ont incarné, enfin beaucoup de comédiens ont incarné Batman. C'est mieux dans ce sens-là. Quelque chose me dit qu'on aura quelques caméos ce soir. Ça va être la régalade. Merci à vous pour votre fidélité. Je suis vraiment trop content de pouvoir être avec vous ce soir. Je ne vous cache pas que ma semaine de vacances a été dédié à cette émission. Mais voilà, au moins, on se fait plaisir. On est là avec vous. Salut Sean Ruffier, salut à Mako, salut à tout le monde, à tous les fidèles de l'émission que vous nous regardiez en direct ou sur YouTube. Toujours un plaisir de vous proposer c'est le stream VF. Et quelque chose me dit qu'on a une communication qui nous vient de Gotham. Allô, est-ce que tu nous écoutes? Bonjour, c'est moi, Batman. Vous pensiez que vous alliez ne pas me faire venir dans un stream VF dédié à ce super-héros. Alors là, je suis très déçu. En plus, j'ai réussi à retrouver ma voix dans les dessins animés, alors c'est pas toi le streamer à 2 € Donald qui va m'empêcher de venir ici. Bon, ceci étant dit, j'ai une question à te poser, Carole. La VF dans mes jeux Arkham, ça va? Tu m'as kiffé? J'adore ça. Tu attendais un baiser? T'inquiète pas, je dirai rien, Julien. Je n'y attendais pas du tout. Je sais. Je n'y attendais absolument pas. J'allais répondre. J'allais dire, mais tellement, où es-tu? Merci. Bah, écoute, belle surprise. Oui, tout à fait. Surprise. Quelle série de jeux vidéo, les Arkham? Les Arkham, on va en parler tout à l'heure. Mais incroyable. Adrien Antoine, il aurait pu être là. On a fait vraiment beaucoup d'invitations. Et voilà, on aurait... de toute façon, le plateau est plein. Mais on a tout le monde qui va être là ce soir pour faire des caméos et tout ça. Mais... ils sont là, nos 3 Batman des derniers films. Mais oui, le Adrien Antoine des dessins animés a marqué sa patte de énormément d'épisodes de films animés, les Arkham, les jeux vidéo. Il fait partie de ceux qui ont vraiment marqué le personnage. T'en penses quoi, toi? Bah, moi, ce que je pense, c'est que Batman, il est vraiment partout. Quand on parle de Batman, on pense aux films, évidemment, mais on pense aussi aux jeux vidéo, tu l'as dit, ouais, à la série animée, et puis les comics aussi, forcément, même si c'est un support un petit peu différent. Et je pense que tous les acteurs qui ont eu la chance d'incarner ce personnage, eh bien, s'en souviendront toute leur vie, parce que Batman, c'est quand même un personnage culte. Ouais. Tu sais, il y a des personnages comme ça qui passent dans des films, qui n'ont pas forcément d'histoire, qu'on ne retrouve pas sur d'autres supports. Voilà, là, il y a un vrai lore, il y a vraiment quelque chose. Incarner Batman, c'est incarner la force, c'est incarner un personnage qui s'est relevé de ses blessures, qui s'en est servi pour devenir un super-héros sans pouvoir, mais qui est devenu extrêmement, extrêmement fort, mine de rien, qui arrive à se dresser contre un Superman, effectivement, et qui n'a pas peur d'aller combattre le mal, malgré tout. Ou Lex Luthor. Ou Lex Luthor. Ça reste à voir. Ça reste à voir. Non, mais c'est un personnage fantastique à incarner, je pense. Ouais. J'aurais rêvé, mais je... C'est ça. D'ailleurs, je suis très étonné de te voir habillé en Gryffondor, alors qu'on fait une spéciale Batman. Je sais, mais je voulais créer la surprise. Ouais, tu es pleine de surprises, Carole. Voilà. Évidemment, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste après, on ne pouvait pas... Alors, on va faire très vite, parce que c'est vrai que dans cette émission, on parle souvent des personnages que vous avez doublés. Donc, on a fait une petite compile des comédiens que vous avez doublés en Batman, sur les rôles les plus importants de chacun, donc évidemment sur Christian Bale, sur Robert Pattinson et sur Affleck, mais on fasse le best-of chacun et on fait juste 2-3 questions, histoire d'aller vite sur le sujet, mais parce qu'on ne peut pas esquiver ça. Déjà, Le Mans 66, mon cher Philippe, c'est immanquable. On commence par toi et c'est parti, on en discute avec 3 questions juste après. Ne le montre jamais à personne, ils te supplieront et ils te flatteront pour ce secret, mais dès que tu leur auras livré, tu ne seras plus rien pour eux. Tu comprends? Plus rien. Le secret n'impressionne personne. Le truc que toi seul connais, c'est lui le vrai trésor. Je sens que vous êtes un leader énergique qui prend ses décisions plutôt à l'instinct. C'est ça. Mmh. On me le dit tout le temps. Oui, oui. L'opposé. L'opposé de votre père. Sur ce point. Qui est-ce qui a vu ça? Ce vieux connard d'O'Keeffe? Va te faire foutre, je m'en vais. Faut le faire courir, ce gars-là, faut que tu l'épuises, d'accord? Travaille-le bien au corps, vas-y de l'intérieur, feinte sans arrêt, et quand il croit que tu viens à droite, frappe-le sur la gauche. T'es pas moi. Oh, j'adore. Donne-moi plus, s'il te plaît. C'est ce que j'attends de toi, ma cocotte. Ah là 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 là. Bon, en fait, on va faire 2 questions, mais quel film t'as le plus marqué dans tout ça là? C'est un comédien tellement polymorphe, Christian Bale, que à chaque fois, ça s'accueille tellement, il va chercher des choses tellement fortes, tellement subtiles, c'est très construit, au-delà de la transformation physique. Ouais. Hein, dans Le Mans 66, par exemple, il y a 2-3 scènes où ses épaules, elles sont tellement souples, tellement détendues, quand il marche sur la piste de course, il a 12 ans, quoi. Ouais. Il te cueille avec des choses aussi fines, aussi légères que ça. Donc ouais, j'aurais vraiment du mal à sortir. Il y a des scènes qui ont été très compliquées dans lesquels il a été compliqué de rentrer. Mais sinon, dans son travail, c'est tellement fin, c'est tellement... Il n'y a jamais de pushing. Quel film t'as préféré doubler? Fighter, t'en as réagi quand on regardait ça. Ouais, Fighter, il a fallu aller chercher des choses. C'est sur la toxicomanie. Il y a un rapport avec sa mère. Il y a une scène très violente dans la voiture où il a... Waouh, ça remonte facile. Ouais, ouais. C'est marrant quand on construit les personnages, il y a des choses qui reviennent très facilement. Ouais. Il y a une violence de ce rapport de sa mère qui supporte sa toxicomanie depuis des années. Et il y a une scène qui est extraordinaire, là, où il va chercher des choses très, très légères, très, très simples. Et rentrer là-dedans, c'est un pur bonheur, quoi. Magnifique. Bon, je pose la question à chaque fois, parce qu'au début, je ne le faisais pas. Boris, je crois que je ne l'ai pas posé les questions à ce début-là, quand on faisait les émissions, parce que tu as connu toutes les étapes de StreamVF. Mais... Et on a eu tellement de réponses improbables avec cette question, mais l'as-tu déjà rencontré? Lors de la première inauguration des Batman, oui. Ah ouais? Oui, oui, ils sont venus, c'était au Marignan-Concorde. Sur les Champs-Élysées, il y avait toute l'équipe du film. Et si tu veux, ils sont en promotion pour très très rapidement pour la sortie d'un film. Ils étaient à Londres la veille, ils étaient à Milan le lendemain. Non, ah ouais. Il y avait 2 jours entre eux parce qu'il y a tous les calls avec la presse pendant toute la journée. Les mecs, ils vivent des marathons. C'est hallucinant, c'est marathon de promo. Donc si tu veux, c'est pas une rencontre. Ouais, c'était très rapide. Ouais. Pas une rencontre. Dommage. On a eu quelques trucs improbables. J'ai eu le plaisir de rencontrer des comédiens que j'ai doublés, comme Guy Pearce, par exemple. Ah oui? Où là, on est resté une demi-heure à discuter. C'était passionnant. Enfin, oui, c'était pour Lockout. Luc Besson avait organisé une avant-première dans un gros bloc de salles de cinéma. Et donc, il y avait 5 ou 6 salles qui étaient lancées les unes après les autres. Et avant le début de ces lancements, on s'est retrouvés sur un buffet, comme ça, à discuter. Et on a pu parler, ouais, interprétation, doublage. Par exemple, la façon dont lui, il utilisait les accents. Ah. Tout son parcours avec... alors, je vais dire des conneries, hein, vous vérifierez, mais je crois que c'est sa maman qui est néo-zélandaise. Lui, il est né en Australie. Enfin, il a tout un mix, comme ça, à sa disposition d'accents qu'il utilise, et ce sont des choses dont il se sert pour construire ses personnages. Oh. Et je lui dis, en France, c'est absolument impossible. Non. On peut pas donner une couleur d'une région sur un personnage pour lui donner un petit piquant, un truc. C'est les limites du doublage, mais voilà. Ça... Ouais. Attends, on voit pas c'est bien le Spidey. Je le rapproche. Voilà, il est bien là. Merci beaucoup pour ces petites anecdotes. Nous continuons sur la voie de nos Batman avant d'entrer dans le vif du sujet. On continue avec la compile Ben Affleck pour toi, Boris, évidemment. Alors c'est ici que tu vis? Non, je vis pas ici. C'est un box de stockage. Ça pourrait sembler bizarre. C'est ça qui pourrait sembler bizarre? J'aimerais bien y passer plus de temps. Seulement, je crains que certains de mes clients puissent me suivre. Qu'est-ce que tu crois que je fais de mes journées à l'agence? Je cherche du travail du matin au soir. Ça va faire 3 mois que je cherche et j'ai rien trouvé. Je n'ai eu aucune proposition. Aucune. Je sais. J'ai demandé à toutes les personnes qu'on connaît et à d'autres parfaitement inconnues. Je les ai suppliées comme un putain de mendiant. Ce casino pourrait devenir le plus grand des États-Unis à la fin de la Prohibition. On n'en verra jamais la fin car notre pays est trop pieux. Un pays en faillite. Les villes sont ruinées, les banques s'effondrent. C'est parce qu'on a un communiste comme président? C'est parce qu'on n'a pas de taxe sur l'alcool. C'est pourquoi l'État légalisera les jeux d'argent d'ici peu. Et vous pourriez avoir votre part. Je ne veux pas de part de quoi que ce soit avec vous. Ah, il y en a eu un paquet, hein. Bon, alors du coup, lequel t'as préféré, Boris? Moi, il y en a vraiment un qui m'a vraiment marqué. Et en plus, il est... Ben Affleck, je trouve qu'il tourne un petit peu comme... Clint Eastwood, il n'est jamais aussi bon que quand il réalise les films dans lequel il... Ah oui, c'est vrai qu'il fait ça. Voilà, il a notamment réalisé un film qui s'appelle Argo. Ah ouais, sur la fuite en 1979, après que... Génial, ce film. Que l'ambassade des États-Unis en 1979 a été prise d'assaut en Iran avec la révolution islamique. Et c'est l'histoire vraie où ils ont monté, je ne veux pas divulgacher, mais ils ont monté absolument... une arnaque de dingue pour sauver les ressortissants. Le tournage, Et quand j'ai vu le film avant de le doubler, j'avais vraiment... D'abord, j'avais plus d'ongles, et mes doigts, ils s'agrippaient dans le fauteuil. Ah ouais. C'est là, la réalisation, vraiment... tout. Mais bon, j'aime bien, c'est aussi surtout un acteur qui a beaucoup d'humour par rapport à lui. Parce que je l'ai vu faire des trucs dans des films où il fait son... faire de la musculation, voilà, où il a beaucoup de... Il a en même temps une certaine distance par rapport rapport à ce qu'il fait. Non, voilà, non, vraiment, c'est un film moi, qui m'a marqué, vraiment, c'est Argo, quoi. Ouais. Ah, Argo, c'est un chef-d'œuvre, tu as bien raison. Et il y a le Cinéclem qui nous pose une question parmi tous les rôles des Batman que tu as doublés. T'inquiète pas, cette question, je l'avais en stock. Évidemment, s'il y a un crossover entre le Penguin, le Joker, Batman, t'es dans la merde. Mais on rigole. C'est vrai que là, je suis un peu comme en politique, hein, je suis un cumulard. C'est ça, c'est ça. C'était génial. Enfin, t'es incroyable. Gros kiff de ce que t'as pu avoir sur DC Comics. Et avant de passer à ta compile sur Pattinson, est-ce que tu l'as rencontré? Je crois que je t'ai pas posé cette question à Ben Affleck. Non, non. Il y en a un acteur que t'avais déjà rencontré? J'ai croisé vraiment à Paris Manga, je crois, c'était Christian Slater. Ah ouais? Parce que comme j'ai eu la chance de le doubler dans Mister Robot, oui. Et il était là, et grâce à une amie, Fugia, oui. Qui est peut-être là d'ailleurs, grande docteur en anglais et tout ça. Donc je l'appelle Jean-Claude. Voilà. Ah, comment vous dites ça? Je dis, ah putain, tu es comme Jean-Claude Van Damme. Coucou Fugia. Coucou Fugia. Et donc elle avait pu organiser une. Ah ben elle est là. Ça va Jean-Claude, bisous. Voilà. Et elle avait pu donc voilà, et elle lui a mis, elle avait trouvé un extrait de Mister Robot où je doublais. Elle lui a mis les écouteurs sur les oreilles de Christian Slater, et le gars, il a fait « Mais comment c'est toi qui fais ça ?» Mais je ne savais pas que je parlais couramment français. Voilà, mais j'ai croisé très vite aussi Robert Carlyle, mais vraiment, bonjour, charmant, vraiment un charmant mec, un Écossais. Ah ouais. Voilà, non, c'est un Écossais. Voilà, non mais sinon, non, j'ai pas... Mais peut-être que, bien, à l'avenir, tout ce que je te souhaite sur les acteurs comme ça, c'est tellement un gros kiff, ça va être rigolo de pouvoir taper la discute... qu'on a avec Samuel L. Jackson et Thierry Desroses. On a des anecdotes improbables dans cette émission. À regarder sur des précédentes vidéos sur YouTube. Abonnez-vous pour les notifications. Ça y est, j'ai compris comment ça marche. C'est important. Et laissez des commentaires. C'est ça, c'est bien aussi. C'est bien, le pouce bleu. Ouais, oh, Spidey. Je dis ça, Spidey s'est énervé. Peter s'énerve. C'est ça, ouais, Peter s'énerve. Bon, merci pour toutes ces réponses, mon cher Boris. Dernière vidéo de compile avant la foule Batman. Thomas Roditi, Robert Pattinson, alors t'as failli te virer Real Scorsese, et on fait une compile de Pattinson, il met pas Twilight. Ah ouais. C'est quand même improbable. Bon, en attendant, ouais. On a corrigé ça, on l'a en vidéo. Imagine leur souffrance. Fais qu'elle t'imprègne. Qui s'immole par le feu sans relâche. Pour s'exprimer. Pour obliger le monde à réfléchir. Tu veux faire s'écraser un avion? Mais pas depuis les airs, dramatisons pas. Je veux faire qu'un avion quitte la voie de roulage, éventre le mur arrière et cause un incendie. Mais un avion de quelle taille? Ce point-là sera peut-être plus dramatique. Je suis le prédateur le plus dangereux au monde. Chaque détail de mon apparence est fait pour te séduire. Ma voix, mon visage, jusqu'à mon odeur. Comme si j'avais besoin de tout ça. Comme si tu pouvais m'échapper! Pour vous dire ce qui se passe en off, quand on regarde cette émission, je sais pas pourquoi, ça décale souvent, donc on est décalé à chaque fois, les invités sont ouf. Non, t'inquiète pas, je te jure, c'est pas toi, t'étais en place sur le film, sois tranquille. Good. Ton honneur est sauf et c'est magnifiquement bien doublé, tout ce qu'on a pu voir jusqu'à là, donc non, t'inquiète pas. Okay, Laura pourra continuer. Oui, c'est ça, ça va. Faut quand même qu'on rétablisse la vérité. Quand même. Ouais, c'est bien, c'est mieux. Bon, Twilight, le premier film, c'est pas celui que t'as préféré finalement, c'est où à doubler? Tenet, peut-être? Ah, non, en fait, il y a des films, des plus petits films, des moins des grosses prods, ouais. Des petits films d'auteur que j'ai préféré doubler. Il y a Good Time, que j'ai vachement aimé doubler. Il a fait beaucoup de choses comme ça, de toute façon, entre ouais. les grosses productions Twilight et Tenet, où il est revenu à il a fait beaucoup de petits films d'auteur. Et surtout, ce qui était très marrant, c'est qu'il a fait aussi beaucoup de films dans lesquels il faisait des petits rôles. Il faisait des apparitions, il avait une dizaine de scènes, quoi. Ah ouais. Et dans lesquels il se permettait de faire plus des barjots, voilà, d'être un peu différent. Et ça, c'était très sympa à faire. Ah, c'est cool. Donc, c'est plus Good Time, je pense. Où... Et est-ce que tu as fait partie de ces 4 personnes en France qui ont compris Tenet? Alors, moi, j'ai compris Tenet. Et il y a un moment où tu te dis « Ah, merde !» Et là, oui. Non. Non. Merde, toujours pas. Et donc voilà, il y a un moment donné où tu dis bah non, je capte pas. Bah, dites-le nous sur le chat hein, si vous avez compris Tenet. Faut se laisser porter avec Tenet. Ouais, c'est ça. Ça, faut se laisser aller. C'est ça. C'est ça. Ça fait partie de ces films que tu peux voir après un petit verre ou deux et tu dis ça doit être l'alcool. Ouais. Complètement. C'est ça. Tu l'as vu? Tu le vois. Oui, je l'ai vu deux fois et les deux fois je suis restée un peu... ouais. Non, mais on voit où ils veulent en venir, mais il y a des trucs un peu comme Vanilla Sky où tu dis, est-ce que c'est... Non, bon, d'accord. Bon. Pas la première fois, nous dit Lucio. Au bout de 3 fois, nous dit Die Dark. Le bruit du rewind. Ah oui, Sean Ruffier, t'as vu, tout le monde a vu. Hein. Bruitage buccal. C'est ça. Ils ont pigé après 2 visionnages. Et pas évident ce film. C'est vrai que c'était du Nolan d'ailleurs. Mais oui, mais il y a plusieurs lectures avec Nolan, je trouve, quand même. Mais là, particulièrement. Ouais, oui. il avait frappé très très fort. En plus, je crois que c'était le premier film après confinement, on l'attendait tous. Donc on a tous fait. J'ai plus l'habitude du cinéma ou c'est moi ou c'est moi ou c'est toi. Le confinement a été dur. Bon, on ne sait pas. Vrai que ça m'a énervé. Je l'ai vu avec un pote qui dès que la fille saute du bateau, il me fait oh non, et il avait tout pigé. Non. Je te jure, il m'a foutu, il m'a retourné. Divulgage pas. Comment tu peux le deviner? Ne devine rien. Ton prénom c'est Philippe, mais c'est pas Peythieu. Philippe, il vient et dirige une série, il te spoil la fin. Alors qu'il y a 5 saisons. Philippe, il fait ça? Ah ouais. Ah, je suis désolé. Non, mais il est déjà sorti depuis tellement longtemps. Je ne dirai rien sur le nouveau Batman que j'ai pas vu. Mais moi non plus. Non, mais en fait, qui l'a vu? Toi, tu l'as vu? Non, vous l'avez vu. Ah, moi, je l'ai vu. Il y a plusieurs degrés de spoil. Je sais que, par exemple, Julien, dès que je dis un mot sur un jeu, un film, c'est du spoil, alors que moi, je m'en fous littéralement d'être spoilé, que ce soit un jeu, un film, parce que du coup, c'est mon expérience qui compte. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs personnes. Ouais, on a tous... par exemple, Scorsese, il peut pas voir des bandes annonces, il dit ça me spoil. Je dis le truc de Batman, ça spoil pas. Enfin, moi, j'ai toujours pas compris le film, vu que mes scènes. Mais bon, j'aime bien ton truc divulgaché, c'est très bien. Je vais te le prendre. Nos amis québécois, c'est divulguer et gâcher. Divulgacher, c'est comme clavarder, quoi. C'est comme clavier, bavarder. C'est beau. Clavarder, ouais. C'est pas ça, clavarder. Clavarder, ça me fait un peu mollard, mais... Oh, attendez. Arrête de clavarder. Attends, Boris. Oui. La légende est avec nous. Bonjour, Gotham. Ici Batman. Je sais que ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu, mais je vous observe dans l'ombre de mon dessin animé. Vous allez me dire, enfin je passe faire un clin d'œil dans l'émission, mais promis, je serai là en vrai, avec vous. Un jour, je vous enverrai un bas de signal avec Gordon, ne vous inquiétez pas. Ah Thomas, je te fais chevalier noir de la Bat-Table de Gotham. Et j'ai une question à te poser avant de partir en mission. De toi à moi, Thomas, as-tu le nouveau 06 de Catwoman? J'ai l'impression qu'elle me ghost. À bientôt. Alors, le truc, c'est que je ne peux pas répondre à cette question. Je suis désolé. Ah oui. Ah, je suis désolé. Il y a des témoins. Je suis désolé. Mais là, non, là, tu vois, je peux pas. Oui. Là, c'est pas possible. Ah oui, oui. Donc, en tout cas, pas sur StreamVF. Pas en direct. Pas en direct. Pas de leak. Hey, on a eu Richard quand même. Hein. Ouais, la grande classe. Le boss de fin de game du doublage. Non, ouais, c'est surfait. Comment ça, je suis jaloux. Quelle voix, ça ramène à plein de souvenirs aussi. Tu m'étonnes. Richard, il n'a pas les résonateurs placés au même endroit comme un des mortels. Ouais. Il y a un trou quelque part. Et, et en vrai, on ne se rend pas compte là, mais quand il se pointe quelque part, il dit bonjour. Il y a tout son corps qui résonne en basse. Et on se dit, mais d'où ça sort quoi. C'est ça. Ah ouais, c'est... Globalement, quand on vous écoute, quand même, tous les Batman, je suis un peu l'intrus quand même, parce que c'est quand même bonjour. Tu vois, il y a quand même tout du. Non mais Richard, tu trouves que j'ai une voix de méchant? Écoute, fais gaffe à ce que tu dis en direct. Ouais. Un noir, c'est pas une voix de méchant, mais après de Batman, tu vois, quand t'écoutes tous les Batman les uns derrière les autres. Non mais après, je vois ce que tu veux dire par rapport à nous, on a au héros quoi. Voilà, il faut chercher des graphes qu'on n'a pas. Voilà. Mais Pattinson, c'est Pattinson, c'est toi qui le double, donc du coup tu t'adaptes, c'est ça quoi. En plus. Non, c'est un autre. Il est plus jeune. C'est un Batman plus jeune. Ouais, il est plus jeune. Il se cherche encore, qui est encore un peu, moi je trouve, un peu fragile même parce qu'il est encore touché par le. Par le... Ah non, mais, oh, non, mais, non, mais j'allais rien dire, je n'allais pas spoiler, je me permets parce que je suis vachement sensible à ça aussi. Oui, mais plus fragile, un peu plus fragile. Mais je ne spoilerai pas. Mais tu le sens plus fragile et moi je trouve que tu l'incarnes magnifiquement bien. Et alors il paraît qu'effectivement, je ne savais pas, mais qu'il a passé son audition Batman pendant le Nolan, pendant le Tenet. Ah ouais? Ouais, quelqu'un m'a dit ça. Alors quelques petites pressions. Écoute, je crois que c'est passé... Quand même, quoi. Ouais, ouais. C'était un peu tendu, mais c'est passé. Il devait avoir une petite pression, un petit peu comme quand tu sais, tu passes un essai pour nous, un doublage, et qu'on te dit, écoute, j'espère que t'es libre parce qu'il y a 1500 lignes sur la première session. Et là, t'arrives à l'essai, tu fais, bon, faut que j'ai le rôle là. C'est un petit peu ça. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu. Et pendant que tu fais le rôle, tu dis, excuse-moi, je peux repartir une demi-heure, et tu vas sur le plateau à côté, et puis tu passes un essai pour un autre truc aussi important. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est pas évident, la vie de doublage de tous les jours. Bon, on est dans le dur, en tout cas, on te remercie beaucoup, mon Richard, de nous avoir fait ce cadeau pour ce petit clin d'œil. Avant de passer sur la bande-annonce de Batman, qu'on va vous passer là sur la moquette, oui, c'est notre brigade anti-claim de YouTube. Est-ce que c'est pas Richard qui a un peu posé les bases de Batman en France, tout le monde a un peu séché par le personnage? Je sais pas ce que vous en pensez tous autour de la table qui n'est pas là. Est-ce que c'est pas Richard qui a amené vraiment le côté super-héros, ça que je veux dire, avec sa belle voix? Boris? Non, moi j'ai surtout les souvenirs de Batman de la série des années 60. Ah, ouais. Mais qui le doublait? C'était qui? Je sais plus du tout. Adam West, mais qui le doublait en français, je ne sais pas. Moi j'ai connu, mais de loin après, mais j'étais pas née. Non, mais ils vont trouver. Bon, le chat a toujours raison, ils vont le trouver. Qui était très kitsch d'ailleurs. Oui, mais c'est ouais. Les collègues, puis en plus avec les waouh, sharp, il y avait quelque chose de très BD. Patrick Guillemin, non? Marc Casso? Marc Casso. Ah, Hervé Bellon, il faut vous mettre d'accord le chat là. Mais oui, le chat. C'était il y a très très longtemps, c'est peut-être plutôt Marc Casso, non? 60, ouais. C'était les années 60, ouais. C'était vraiment un Batman complètement différent. Marc Casso. Ouais, c'est Marc Casso. Si Emilien dit Marc Casso, j'y crois. Pas de favori. Hervé Bellon. Pour moi, c'est Burton, hein. Pour moi, c'est le Batman de Burton qui a. Avec Michael Keaton. Ouais, c'est Keaton. Moi, c'est mon Batman 89. Pour moi, c'est voilà. C'est avec Nicholson. C'est Nicholson dans le rôle du Joker, qui est incroyable. Moi, c'est mon Batman de cœur, mais pour moi, c'était le super-héros. J'ai découvert Batman par ce film, donc forcément, ça a été plus ça même que la série animée. Ah ouais, ça c'est marrant. Très proche, alors moi, c'était le contraste de la série animée. Des bandes dessinées, c'est sûr. Ouais, parce que tu le vois, tu le vois dans les bureaux. D'ailleurs, l'univers graphique, des couleurs super flash. Michael Keaton, quoi. Keaton. Puis bon, Nicholson. Nicholson, voilà. Non mais oui, aussi. Monsieur Moulin. Tellement. Magnifiquement doublé. Ah. Magnifiquement. Bon, il y a encore beaucoup de choses à voir dans cette émission, évidemment. On aura un mot. Ah, c'était Luc Hamet qui doublait Robin. Tu me l'apprends, Idègle. Merci pour cette petite précision. La moquette est là, la bande-annonce est prête. Le but, c'est pas de se regarder la bande-annonce qu'on a tous vue. Oui, la moquette est prête, hein, Carole. Oui, non, mais c'est bien. Le but, c'est qu'on réagisse à ce qu'on voit. Nico, paye ta moquette. Ça, Maclou. Dis-donc, Nico. Pas évident de trouver des trucs là-dessus. Hein. Ah. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, allez chérie, on se calme. Dis donc, tu mérites ta réputation, toi. T'es méconnaissable, Boris. J'adore. Tu aurais laissé ça pour Batman. Pourquoi il s'adresse à vous? Notre ami Jérémy Covillo. Oh, voilà. Je cherchais à vous jouer. T'es masqué la vérité sur ce cloaque qui nous sert de ville. Pas d'effet du tout sur ta voix. Très peu. Vous aussi. Ils les avaient pas en fait. Rien là. Non. On n'avait pas le plugin. Vous êtes bien moins intelligent que je ne pensais. Bruce Wayne. Oh. Elle peut être cruelle, aveugle ou inachevée. J'ai passé 2 heures sur cette phrase. Qui en est privé. 2 heures. Avoir la violence. 2 heures. Ah ouais. La justice, c'est ça la bonne réponse. Ah là, je t'ai bien eu. Il est dingue, Colin Farrell. Il est génial. Incroyable. Je l'ai pas reconnu, hein. Non, mais au début, je l'ai pas reconnu non plus. et la musique, ah, la réinterprétation. Et il y a des références à Dark Vador, je sais pas si vous avez fait gaffe. La musique. Oui, ah, gravement, de ouf, oui. Gravement le thème de Gravement Peythieu. Je fais une petite parenthèse, que Sean Ruffier a une bonne question que je vais oublier après. Comment est-ce que vous avez géré la voix de Christian Bale qui est hyper modifiée? Tu avais un retour sur le plateau, tu t'en modifiais un peu de ton côté, comment ça s'est passé? Il n'y a aucune modification électronique sur ma voix. Quoi? C'est toi tout seul? Oui. Wow, encore. Il n'y a rien. Mais non. Il n'y a absolument, il n'y a qu'une seule modification, c'est dans le 2, lorsque le psychiatre prend des médocs. Mais oui, il y a quelque chose. Quand il prend des médocs, le psychiatre, et qu'il a le visage qui dégouline dans l'asylum, c'est le seul moment où ils ont poussé les basses à fond, mais sinon c'est que ma voix. Je t'ai persuadé qu'il y avait un pitch, un truc... Oh là là, eh, faites-moi des GG là, sur le chat. Je ne me souviens plus non plus, moi aussi. Ah, c'est incroyable, ouais. Mais le respect. Et en fait, ce qui est très très drôle, c'est que quand j'étais choisi pour le doubler, il y avait 15 jours après le choix de la Warner, je suis appelé pour faire le jeu. Oui. Et sur le jeu, t'as aucune image. Non. Et je me retrouve dans un studio avec un casque à écouter une voix. Je comprends rien à ce qui se passe. J'avais vu aucune image du film, sinon les deux scènes d'essai. Incroyable. Et donc j'ai abouté un peu ce que j'avais comme information et j'ai plongé là-dedans. Et par chance, j'avais vu une interview où il parlait de l'animalité du personnage. Ah. Et je ne savais pas encore toute la construction du 1 où quand il revient dans l'avion avec Alfred, où il cherche à créer ce symbole pour susciter la peur chez ses ennemis. Et donc, j'avais pas encore ces éléments-là. Mais je savais qu'ils avaient travaillé sur l'animalité. C'est incroyable. C'est l'info que j'avais. Ouais. Et donc, heureusement, le jeu était pas très nourri en audio. Je suis rentré, j'ai fait une proposition de jeu comme ça. Et ça tenait. Et quand on a plongé dans le film, on a vu effectivement la nécessité de cette voix, quoi. Jamais je me serais dit que tu l'avais fait. Il n'y a aucune modif. Et les trois opus, il y a vraiment trois voix différentes. Et la façon dont il parle à Rachel, par exemple, sur le toit, parce qu'il est fou amoureux de cette femme. Il va jamais pouvoir lui dire. Et il prend cette décision-là à ce moment-là. Et quand il lui dit qui que l'on soit au fond de soi, on ne sera jugé que sur ses actes. C'est pas tout à fait ça. On l'aura tout à l'heure pour les souvenirs, ne t'inquiète pas. Il change sa voix. La voix de Batman n'est pas la même. Dans le rapport qu'il a à la personne avec qui il parle. Avec Gordon, c'est super froid, super carré. On est dans un rapport policier, etc. Donc il y a toutes ces nuances de jeu dans cette voix. Eh ben écoute, merci pour l'anecdote, c'était comme quoi, Sean Ruffier, une bonne question et qu'il y a une bonne réponse. Hein. Thomas, comment t'étais quand t'as appris que c'était Robert Pattinson qui allait reprendre Batman? T'as fait oula. Tu t'en rappelles? Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui me l'a dit, quelqu'un qui est dingue de Batman, qui m'a dit mais est-ce que tu sais qu'il est il est sur la shortlist, que c'est lui qui va le faire, qui va le signer, que c'est prêt, que c'est parti. Et d'abord, je me suis dit bon, moi je l'imaginais pas trop parce qu'effectivement, on sortait quand même de deux mecs quand même très baraqués physiquement. Et je me suis dit, bon, à Twilight. C'est peut-être une histoire, tu vois. Et puis, il venait faire des rôles un peu junkie dans des films un peu. Enfin, tu vois, c'était pas du tout. Mais moi, j'aime bien ce qu'il fait de manière globale. Hein. Ouais, ouais, on n'avait pas fait du tout Tenet encore. Enfin, c'était avant Tenet. C'était 2 ans avant. Non, mais c'était presque 1 an et demi avant Tenet, quoi. Donc, c'était juste dans les tuyaux, quoi. Et d'abord, moi, je me suis dit, oh, c'est génial, tu vas faire un super-héros, moi, ça m'éclate, quoi, parce que j'ai rarement l'occasion de faire ce genre de rôle. Hein. Et puis, c'est canon à faire. Et puis après, je me suis dit, bon, on va voir si tout se passe bien, enfin, si moi, je peux le faire, si on, tu vois, je sais pas s'il va y avoir des essais pour que je le passe, mais en tout cas, j'ai envie de le faire, quoi, parce que je trouve que c'est des rôles qui sont dingues à faire, un peu comme quand on m'a parlé de James Bond, tu vois, il y avait un comédien que je doublais qui, je disais, ouais, si en français, je pouvais faire une fois. Bon. Ah ouais, ça a été la classe. C'est bon, c'est bon. En plus, le tournage, il paraît qu'il est parti super bien, super fort, super ambiance et tout ça. Covid, ça s'est arrêté longtemps. Et après, pour repartir, il paraît que lui, en plus, a chopé sur le tournage. Voilà, lui, il a chopé sur le tournage. Le tournage a duré en longueur. Enfin, c'était... Et tous les trois, est-ce que quand on vous a dit... vous allez doubler Batman. Bon, toi, tu les as tous fait méchants, gentils. Mais est-ce que vous avez... Bon, du coup, je te pose pas la question. Mais est-ce que vous deux, de quel personnage dans Batman, tous les trois, vous avez eu peur de dire est-ce que je vais réussir à assumer un tel truc où faut pas se foirer. Tu sais que t'as le rôle titre, c'est. On n'a pas peur. Non, non. Un défi, quoi. Non. Batman le défi. Tu sais qu'il va te challenger, mais ça va être un kiff absolu. Non, tu sais que tu vas te marrer, quoi. Ouais, ouais. Ah, vous avez vu ça comme plaisir, mais pas de pression. Ah non. Non. D'accord. Non, non. C'est marrant. Moi, c'était plutôt la curiosité de savoir comment il allait l'aborder, lui, en tant que mec, plutôt au départ, qui est pas une grosse baraque. Comment il va l'aborder, le rôle, quoi, tu vois. Et en fait, bon, il est quand même pas, je crois qu'il est, enfin, il est quand même passé un peu à la salle. Ouais, un peu. Faut, non, on a moins besoin quand même. Tu m'étonnes. C'est chiant. Faut quand même assurer. Acheter des bières. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Batman en brindille, c'est pas le même film. C'est ça. C'est marrant que vous étiez parti en mode, je vais me faire plaisir parce que moi, Riddler, et c'est pour ça que j'ai galéré sur les bandes annonces. Parce qu'il y avait l'effet sur la voix, que c'était le méchant, et que je me suis mis la pression, que j'arrivais pas à le trouver. Les bandes annonces, quand je les écoute, je trouve pas ça bon. Le film, je pense qu'on l'a trouvé. Mais on a énormément bossé. Je pense que c'est les trucs les plus durs que j'ai eu à faire. Mais j'ai eu beaucoup de pression, beaucoup de difficultés à sortir le rôle parce que tu faire le méchant de Batman avec la voix déformée, quand on a fait pour rigoler, mais quand t'es au micro et que t'as toute la scène qui dure 3 minutes à y aller. C'est pas parce qu'il est fou en fait. C'est un méchant complètement fou. C'est comme incarner un Joker. Ça doit être complètement dingue. Et d'ailleurs, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que alors là t'as incarné le Sphinx, mais est-ce que si t'avais pu choisir, t'aurais pas choisi un autre méchant incarné? Quel méchant de Batman t'aurais voulu incarner, à part celui-ci? Ou est-ce que celui-ci, finalement, tu te dis, waouh, c'est celui qui me fascine le plus? C'est le top. Je veux dire, Lex Luthor, j'ai kiffé, avec Jesse Eisenberg, et pareil, j'ai galéré de ouf à le sortir, parce que c'était très, très difficile, très technique, et je sentais Jesse Eisenberg sur des œufs qui ne faisaient pas sa sauce habituelle, et que du coup, il cherchait, il créait, et du coup, j'étais vraiment pas... En territoire conquis, j'ai eu du mal à le trouver. Et Paul Dano, là, sur Riddler, on voit 2 scènes où il est hors masque. Et donc, du coup, j'ai eu aussi beaucoup de mal à le trouver. Donc, j'aurais tendance à dire que vraiment, le Riddler, je pourrais pas trouver mieux. Si, un Joker, si, évidemment. Mmh. Mais j'aurais aimé... surtout pour les fans, déjà, j'ai de pouvoir dire Wayne et pas Wayne, j'étais content, mais surtout, j'aurais aimé qu'on dise l'homme mystère, quoi. Bah oui. Ça, c'est mon seul regret. Bah oui, moi je trouve aussi l'homme mystère ou Sphinx, quoi. Oui, ouais. Enigma, enfin, il y a tellement de... Ouais, c'est ça. Bon, après, il y a tellement de noms, Riddler, Enigma, Mystère. Ça. Mais bon, en tout cas, ouais, c'était gros cadeau. Et mais moi, j'ai eu peur jusqu'au dernier moment, pour ça que j'en ai très peu parlé sur les réseaux, même quand les bandes annonces sont sorties, de ne pas être pris pour le film jusqu'au bout, tellement c'était difficile et que j'étais pas sûr de moi. J'ai tellement tout donné pour vraiment avoir un bon résultat. J'ai attendu qu'on me dise « Ah, c'est bon, c'est toi dans le film ». Je t'ai entendu, je fais « C'est bon, ils m'ont gardé ». Non, vraiment, j'ai eu peur. Hein. Quand je dis pas peur, c'est-à-dire que, par exemple, moi, sur le Joker, avec Joaquin Phoenix, moi, j'ai vu le film une fois, j'ai fait, je vais m'éclater. J'ai dit, ça va pas être facile, mais je vais prendre un pied terrible. Je l'ai vu 3 fois le film quand même. Hein. Avant de le faire ? Ouais, parce que la première. 3 fois ? Parce que la première fois, parce que quand on regarde un film, quand on est spectateur, on paye sa place, t'es détendu. Quand tu sais que tu vas le faire, t'es affûté, tu vois, tous tes chakras, t'es là, tu pompes toutes les ondes pour voir. Et là, le film commence, alors évidemment c'est en noir et blanc. Dès qu'il parlait pas dans une scène, c'était flouté. Heureusement, il parle beaucoup, donc j'ai quasiment vu le film. Avec la barre verte qui passe. Ouais. Et puis au bout de 20 minutes, j'ai l'impression que ça a duré 20 minutes, je vois fin. Je dis, putain, merde, je suis parti dans le film, j'étais vraiment pris, quoi. Donc j'ai su que j'allais le faire. Le film maintenant, ça fait office d'essai. Bah, notamment les rires, quoi. Mmh. Parce qu'après la question, ça a été, est-ce que c'est les rires originaux? Non, j'ai tout fait. Même le moindre petit sniff. Donc fallait, est-ce que vocalement, tu es capable de sortir le truc? Donc on a vu qu'au film annonce, j'étais capable. Et puis il faut quand même que je demande à le revoir, quoi, quand même. Donc je le revois. Et fou. Là, pareil, au bout de les 25 minutes, fin, quoi. Je fais, c'est pas possible, quoi. Donc tu t'attaches pas. Et en fait, moi, la façon, quand on a la chance de doubler des personnages comme ça, ou que ce soit d'autres comédiens extraordinaires qui font des films, pas forcément des héros et tout ça, mais qui ont une grosse partition, moi, j'ai l'impression, j'ai trouvé l'image avec le Joker, ça tombe bien, mais c'est tout d'un coup, t'as un artiste génial. Donc ce comédien qui crée le rôle, qui crée toutes les strates et tout. Et pour moi, il crée un immense parc d'attractions, avec plein de manèges. Ouais. Puis il tape sur l'épaule, il fait « Tiens, voilà les clés, amuse-toi ». Et on monte dans tous les manèges, quoi. Des manèges qui font peur et tout ça, mais on prend son pied quand même. Ça ne veut pas dire que c'est pas difficile. On ne fait pas des boucles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, même des fois, certaines 10 fois, quoi, ou plus. Mais il y a une jubilation intérieure, on a une âme de môme, comme quand on joue aux gendarmes et aux voleurs, et tout d'un coup... Ouais, en fait, on se lève le matin, on dit on va jouer, quoi. C'est quand même. C'est une des plus belles VF de ces dernières années, le Joker. Ce que tu as fait, ce que Jean-Philippe Plumartin a sorti de manière globale, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre de VF, vraiment. C'est quoi le mieux à incarner? Tu vas préférer Batman ou Joker? Joker. Ouais. Bah ouais, parce qu'il est fada, il est complètement fou. C'est clair. Donc tu t'es amusé beaucoup plus, certainement, effectivement, sur ce rôle. Oh, c'était dingue. Oh, putain. Tu nous fais un rire? Non. Trop compliqué à nourrir. Ah non, et puis non, c'est ouais, on va un peu chercher, et puis c'est comme tout d'un coup, tu vois, t'es là avec des copains, fais nourrir. Je fais attends. Mais oui, t'es pas dedans. Non, mais t'es pas dedans. Voilà. Non, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Il y a Koé qui, quand il est venu ici, il m'a tellement pas lâché que j'étais vraiment obligé. Mais t'inquiète pas, c'est pas fini, je vais pas te lâcher. Non, je l'ai déjà fait ici. Non, mais en plus, t'étais là. Je l'ai fait là, j'étais là. J'ai sorti ce rire. Voilà. C'est une exclusivité, ça ne se passe qu'une seule fois. Voilà. On continue avec cet opus. Thomas, et pendant qu'on discute, on va passer un petit extrait. Alors, déjà, ça parle pas beaucoup, mais c'est en VO. J'ai tout fait, on a retourné Internet, il n'y a rien en VF. Mais il n'y a rien en VF. Donc on a un petit extrait pour le regarder. Mais normalement, là, je suis vraiment bien. Quoi. Pendant qu'on le met... Ah oui, là, t'es super bien. Je suis super bien. Là, sur cet extrait, je suis hyper bien. Mais pendant qu'on le met sur la moquette, moi, je veux te demander, est-ce que tu as senti que Robert Pattinson, il avait mûri avec ce rôle et qu'il était passé vraiment à l'étape supérieure? Alors, je ne sais pas s'il a mûri, mais en tout cas... continue de construire sa carrière d'une manière très atypique, quoi. Il passe d'un truc hyper grand public à un truc beaucoup plus film d'auteur, et puis il revient sur du gros blockbuster. Enfin, donc, c'est vrai. Je sais pas exactement qu'est-ce que lui cherche là-dedans, mais en tout cas, c'est vachement atypique et c'est hyper sympa à faire. Enfin, c'est vachement agréable à faire, ça. C'est là, c'est le rôle que tu as le plus kiffé faire sur Pattinson maintenant. Non, je crois pas. Finalement, non. Je crois pas. Je crois qu'en termes d'enjeu, ouais, c'est celui qui est le plus balèze, quoi, forcément. Mais en termes de plaisir sur un plateau, c'est pas celui-là, je crois pas. Il y a des films dans lesquels il y avait beaucoup plus de ruptures. Il y a notamment un film aussi avec Guy Ritchie, mais pour le coup, là, c'est pas toi qui le faisais. Où il faisait un... Pearce ou Ritchie? Guy Pearce, pardon. Guy Pearce, et où il faisait un mec un peu simplet quand même, donc il se permettait plein de choses, et puis du coup, tu peux toi, en tant qu'acteur, enfin, il y a beaucoup plus une partition qui est plus dingue, quoi, plus folle à faire. Là, c'était plutôt... Quand on m'a posé la question sur ce genre de film, comme c'est très peu bavard, et puis c'est une réplique, c'est plus le défi, c'est plutôt de trouver une forme de densité, quoi. C'est clair. Franchi Ginger nous dit c'est un super acteur, et t'as raison, il est super bon. Ouais. Et là, voilà, c'était un peu le pari de ce film-là, c'était de trouver quelque chose de dense sur des petites répliques, et que sur la globalité du film, on ne soit pas sur quelque chose de trop linéaire, donc essayer en même temps de trouver un peu de relief. Et là, en même temps, je revois la scène qui est assez dingue. Ils ont cassé la Lincoln. C'est pas vénère, ça, à ce moment-là. Elle est géniale, la scène, là. La scène, elle est incroyable. Et c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'il a le verbe rare dans ce film. Et très souvent. Mais même, oui, globalement, Batman... Ouais, c'est plutôt un personnage un peu introverti, quand même. Oui. C'est ouf, hein. Parce que toi, moi, cette scène-là, je l'ai découvert en regardant les extraits pour préparer l'émission, parce que... ça, je les ai pas vus, j'ai trouvé ça. Mais super, je vois Trouble, c'est trop loin, je vois Trouble, c'est parfait comme ça. On peut divulgacher. Elle est incroyable, là, quand il sort de la voiture avec. Tu vois un acteur comme Christian Bale ou Pattinson, ou par exemple, ou Joaquin Phoenix, c'est le genre de. Je mets ça dans la même. Ou Tom Hardy, je mets ça dans la même famille d'acteurs. Avec DiCaprio, ils vont chercher ailleurs, ils arrivent à se trouver des univers avec des transformations physiques et aussi générées par l'intériorité du personnage, où en fait, à chaque fois, on les attend pas où ils sont. Ils ont des rôles tellement différents. Ouais. Et puis ça va raconter. Ça montre aussi, tu vois, ça montre l'étendue du mec. Quoi. Bon, ils ont quand même toutes des équipes de dingue derrière eux. Ils sont pas tout seuls chez eux, face à leur glace non plus. Mais il y a un travail, et puis ils ont une matière brute à travailler qui est absolument une densité qui... C'est assez dingue. Phoenix, dans une des vidéos sur YouTube, on le voit travailler avec le réalisateur, c'est vachement intéressant parce que ils ont un accord qu'à chaque prise, ça peut partir vraiment très loin. Sur quoi Sur le Joker. Non, et puis en plus, c'est extraordinaire. 3 mois de jeûne en mangeant une pomme par jour. Voilà, ça c'est dingue. Ouais. Manger une pomme par jour, 3 mois. Hein. Ouais. Déjà, ça finit aussi par taper sur le système. C'est possible. Ça me taperait un peu sur le système, ça c'est possible. Cette fameuse scène avec Robert De Niro, qui est en présentateur, où il va rentrer sur le plateau, et là il montre sur YouTube, vous le trouverez facilement, Et il montre toutes les prises d'entrée-sortie. Quand il rentre sur le plateau d'émission, quand il se met à danser, machin. La scène, elle est hardcore. Il fait une son de rentrée par l'arrière du décor, il vient derrière, coucou. Il est incroyable dans ce film. Dingue. Et c'est leur accord. T'as plein de scènes comme ça où il est en proposition de jeu. Incroyable. Et le réel, il va choper. Mais il nourrit son personnage, j'ai rarement vu ça. Quand il rentre dans le frigo, c'était pas prévu, c'est l'impro. Ouais. Ah ouais? S'il est trop chaud, il vient tout, il rentre dans le frigo, quoi. Mais il ressemble un peu à ton Batman, je trouve, ce Joker-là. D'accord. Ce côté un peu... Il est fou quand même, il est quand même bien fou, le Joker. Oui, mais fragile aussi, un peu romantique. Il y a un côté romantique au sens large. C'est l'histoire même du Joker, quoi, qui est comme ça. Ah oui. Là, ce que fait Joaquin Phoenix sur le Joker, enfin, moi, ce film, comme toi, je l'ai vu, j'ai dit, mais attends, c'est fini déjà, là. Ah, c'est magnifique. Moi, j'ai vu à Venise, qui normalement récompense les films d'auteur. De toute façon, c'est un film d'auteur. Oui, oui, clairement. Oui. Il n'y a pas d'action. Ce pauvre gars avec son panneau dans la rue, c'est vraiment des gueules cassées, mais de façon différente, mais... Voilà. Et Jordan Bastard nous demande de faire Je suis la vengeance, mais t'inquiète pas, on a une séance redoublage, c'est pas prévu, mais on fera un petit extra bonus comme ça, bien évidemment. Carole, avant de continuer notre périple, de toutes les sagas qu'il y a eu, c'est quelle saga que t'as préféré? Quel acteur t'as préféré? Keaton. Keaton? Ouais. Ah oui, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, moi c'est vraiment Keaton et derrière Christian Bale. Parce que, alors pour moi, celui qui l'incarne... Non, mais je dis... C'est dans la pause. Mais c'est vraiment... Pour moi, par exemple, Batfleck, c'est vraiment... Il a la carrure de Batman. Physiquement, c'est celui qui l'incarne le mieux à Affleck. Mais pour moi, Keaton amène une élégance à ce personnage qui est juste incroyable. Vraiment incroyable. Et je le préfère à celui de Nolan. Pourquoi? Parce que peut-être il y a ce côté très fantasmé Gotham, Batman et même Joker dans le Joker de Burton. Il est complètement fou, il danse quand il rentre dans le musée, qu'il repeint tout sur du Prince. C'est très théâtral. Ce côté très fantasmé, moi, me plaît davantage que le Batman ancré dans la réalité. Voilà. Peut-être je me trompe, c'est peut-être un souvenir, mais j'ai aussi l'impression que dans le Batman avec Keaton, il y a aussi beaucoup plus l'univers, la Wayne Enterprise qui est présent, enfin on le voit plus dans les bureaux, c'est plus fidèle aussi à la BD et aux comics, quoi, je crois. Hein. Tu vois, alors que sur les sagas qui suivent, c'est quand même beaucoup plus la partie l'homme masqué, enfin on est beaucoup plus dans l'action, quoi. Ah, mais physiquement, celui qui l'incarne mieux physiquement par rapport à la BD, c'est Christian Bale, grand. Donc, Machua Carré, il n'a pas le visage, de Keaton. C'est un beau Bruce Wayne. Pour moi, physiquement, c'est celui qui... Ou le dessin animé. Après, ou dans le dessin animé. Attends, je crois qu'il y a un méchant qui est arrivé. Merde, mais le méchant est arrivé. Le méchant... Merde, fais péter. Bonsoir à tous et bonsoir au peuple de Gotham. Ici le plus grand des méchants, oui, Oswald de Chesterfield de Cobblepot. C'est moi le pingouin, le seul et l'unique. Enchanté de rencontrer mes fans sur Twitch. Ça me fait plaisir de vous reparler d'Arkham. J'ai mis une sacrée pagaille dans le Muséum d'Histoire Naturelle. Ça vous rappelle quelque chose, les gamers? Mais mon plan a encore raté à cause de ce maudit Batman. Et vous en avez un sacré paquet ce soir. Ah, je vous hais, messieurs. Au fait, j'ai une question, Boris. De toi à moi, Batman, le Joker, le Pingouin, c'est qui le prochain? Catwoman? À bientôt, peuple de Gotham. Magnifique. Non, ça va être compliqué. Catwoman. Vous avez manqué l'éclat de rire de Boris. C'était exceptionnel. Ah ouais, non. Non, merci mon Philippe. Mais non, c'est pas prévu. Voilà, mais je m'attendais à ce que le pingouin, même si c'était Colin Farrell, physiquement il est tellement grimé qu'on me dise bah non, tu le feras peut-être pas parce que bah il y a déjà c'est quand même trois mythes, hein, DC Comics, Batman, Joker, Pingouin. Et là-dessus que ça pique. Bon, il manque plus qu'Alfred. Il manque plus qu'Alfred. Voilà, pour tes vieux jours, plus tard. On va faire un bon double face. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Très bon double face. T'as pas trouvé qu'il avait, enfin, il y avait un côté dans là, dans, moi j'ai l'impression que c'était Capone, quoi, que le mec il a bossé à mort, ouais, Capone, oui, quoi. Oui. Et d'ailleurs, en original, bien mafieux. Hein, en original, c'est ça. L'accent italien, t'es dans Nolita, quoi. Exact, t'es dans les films, dans l'Italie à New York et tout ça. Dans l'Italie à New York, c'est ça, comme ça, la cicatrice sur le visage et tout. Il y a un truc très, j'avais l'impression d'être dans les Sopranos. Il y avait un truc très comme ça, quoi. Alors, en même temps, il est plus vieux, il fallait trouver un truc de gras, quoi. Trouver, et donc c'était... Non, je l'ai trouvé assez vite avec Michel. De toute façon, Michel, il m'a fait faire des trucs tellement dingues. C'est vrai. Non, ouais, bah, et... par exemple, comme il s'appelle... connais que lui dans Sin City. Sin City, celui qui double tout le temps, celui que tu doubles tout le temps, là? Non, que je double souvent, je double pas tout le temps. Qui a fait le collectionneur, là... Non, je le sais, en plus. Qu'on a fait dans Star Wars? Oui. Oui, merde. Oui. Quand il revient de dire sur celui-là. Recollez que lui, bon, c'est pas grave, on va pas chercher, ça va revenir. Ils vont le trouver, le chat, ils sont beaucoup... Là, oui, Benicio del Toro. Ouais, Benicio del Toro. Merci le chat. Merci Bob Merlin. Dans Sin City, là, où il descend, il monte dans les super aigus et tout, le machin. Tu devrais arrêter de fumer, parce que sinon... Non, avec Michel Dorin, là... Ah, on s'était bien marré, quoi. Bon, Boris, évidemment, on a des extraits. En fait, on a fait des montages de bandes-annonces pour trouver des extraits de vous deux. Donc, du coup, paye ta moquette, paye tes extraits. Merci, Ariel Cortez. C'est beau. La peur est un outil. Cette lumière qui déchire le ciel, ce n'est pas qu'un appel à l'aide. Ça me fait bien, hein? C'est un avertissement. Je me fiche de ce qui peut m'arriver. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Oh, allez chérie, on se calme. Dis donc, tu mérites ta réputation, toi. J'adore cette scène, elle est mortelle. Ah ouais? Oh. Je suis la vengeance. Ah, le chef Fox sur cette scène, il a pu faire plaisir. Je t'ai bien eu. On dirait les voitures radio commandées. Bah ouais, elle est hyper... J'adore. Elle déchire. Elle est hyper vintage, la bagnole et tout, elle est canon. Même lui, il roule avec un... On va demander à Manu ça. Souris, quoi. Ah ouais. Et du coup, tu disais que t'adorais cette scène de fight sans spoil. Pourquoi cette scène en particulier? Quand j'ai vu le film, j'ai adoré cette scène. Parce qu'en fait, tous les mouvements, toute la cascade, ils sont dans un couloir comme ça et tout n'est qu'éclairé. Qu'avec les guns. Ah ouais, c'est trop. Donc il n'y a aucun éclairage, ils sont dans le noir et tu ne vois tout le mouvement, toute la cascade, tout n'est fait que par les mitraillettes, en fait. Ah, ça a dû kiffer. Un effet stroboscopique qui est vraiment canon. Enfin, cette scène est dingue. J'ai adoré ce moment-là et je dirais que c'est un des moments que j'ai préféré et aussi le moment où on voit Batman à l'envers. Ouais. J'ai adoré, en fait, ce message de voir la chauve-souris, en fait, en plus à travers les yeux du pingouin. Et j'ai trouvé ce moment très effrayant. Mais de toute façon, la réalisation, la photo est magnifique. Ouais, enfin, je veux dire, c'est un film incroyable. Vraiment. C'est un film incroyable que je vais m'empresser de voir. Tu devais le voir hier, on devait le voir aussi. Mais bon, j'ai pas pu, j'ai dû faire des modifications sur un truc. Mon studio et mon fils aussi devaient faire une confo sur un doublage. Donc, on n'a pas pu y aller ensemble. Et puis, moi, je ne l'ai pas vu pendant qu'il y avait en première. J'étais au ski. Chaque fois, j'ai toujours cette excuse-là, ça m'énerve. Le ski. Ouais, mais à chaque fois, ça tombe mal. Déjà, je le fais exprès. Je ne l'ai pas vu non plus, mais j'ai halluciné. J'étais dans la rue et je vois un bus passer avec cette affiche qui est toute rouge. Et il y a juste la silhouette du Batman qui est noire. Et j'ai fait « waouh ». Et ça m'a, rien que l'affiche, ça m'a replongé dans le Bing Bang Boom des années 60, mais avec un truc hyper moderne. Et le slogan, c'est plus trash, plus cinglé, un truc comme ça. Plus réaliste, plus sombre, plus cinglé. C'est une critique de première. Ouais. Ah d'accord, oui, ok, c'est une critique. Plus réaliste, plus violent et plus sombre que... Et avec ce visuel-là, cette esthétique-là, je me suis dit, oh les mecs, ils tapent ailleurs, quoi. C'est sombre. Non, mais c'est du détective comics. C'est vraiment du détective comics, quoi. C'est plus qu'un film d'action. C'est clair. Bon, okay. Nous avons sélectionné quelques extraits. Alors, Philippe, on a pu les sélectionner ensemble, mais nous allons passer sur des extraits. Alors, tu ne seras pas dedans, parce que comme il n'y a pas d'extrait en VF, on est galère. Donc, on va faire les extraits de nos Batman, j'ai pas envie de dire à la retraite, mais pas loin. C'est des cadres. Pour le moment. Mais d'ailleurs, parce qu'on est tous dans cette catégorie-là, moi, reboot, c'est ma life. Du coup, c'est pas... Comme nous, les Spider-Man, ils passent d'un Spider-Man à l'autre. Quand ton Batman, il s'en va, comment vous l'avez pris? Toi, t'en as fait 3. Ouais. Comment tu l'as pris? Bah, étant donné que c'était une œuvre complète avec 3 opus, la boucle est bouclée. Enfin, dans la structure narrative des 3 opus, c'est cohérent. C'est une œuvre. Donc, c'est déjà tellement fabuleux d'avoir pu prêter ma voix à ça. C'est extraordinaire, quoi. On repart à des choses. Ouais, c'est ça. Comment ? T'as fait un triple à dessert, quoi. J'ai fait un triple à dessert, c'est ça. Et que, en sachant que c'est un autre comédien avec un autre réalisateur, ça va être une autre narration, une autre histoire. Et comme je suis très public, j'attendais d'être cueilli, quoi. Ouais, donc, j'ai pas senti, tu vois, de frustration là-dessus. Bon bah, tant mieux. Non, mais je vais te poser la question. Et puis, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Enfin, tu vois, maintenant qu'on a des multiverses qui s'ouvrent. Alors, chez DC, on ne sait pas. Chez Marvel, ça m'arrange bien. Complètement dément, là. Oui, complètement. Ça m'arrange. C'est tellement des univers différents. Ah ouais, c'est normal. Mais c'est tellement plus sombre. Moi, je suis beaucoup plus DC parce que c'est très, très sombre, mais ça a dû tellement te changer ce rôle. Incroyable, incroyable. Ouais. Grosse chance. Bon, du coup, tes extraits, mon cher Boris. Le premier, je ne sais plus du tout ce qu'on a pris, mais c'est maintenant. De la part du Daily Planet, critiquer ceux qui se croient au-dessus des lois, c'est... Avec Adrien Antoine hypocrite. Je dirais non. Dès que votre héros sauve un chat coincé dans un arbre, vous pondez un édito ronflant sur un extraterrestre qui, s'il le décide, peut tout mettre à feu et à sang. Ah mais je crois qu'il y a l'ex-tutor là-dedans. Courir pour essayer de l'en empêcher. Je dois arriver là normalement. Ouais. Ah. Peu de gens dans le monde sont de votre opinion, monsieur Wayne. Ça doit être mon côté Gotham, mais il faut comprendre qu'on a de mauvais souvenirs de monstres déguisés en clowns. Wow, Bruce Wayne face à Clark Kent. Ah, qu'est-ce que j'aime ça. J'aime susciter les rencontres. Comment allons-nous, Lex? Bonjour. Enchanté. Bien, bonsoir, Lex. Enchanté de faire... Ah, waouh, ça alors, quelle poigne. On n'a pas intérêt à se frotter à ce monsieur. Je n'ai pas entendu. C'est vraiment bizarre. Ouais, j'ai tellement galéré à la faire, cette scène. Pourquoi ça? C'était long, c'était technique, dans tous les sens. Ouais, s'il va dans tout, un peu dans tous les sens. Ouais. C'était trop cool. Tu l'as aimé, toi, le Batman vs Superman, Carole? Oui, j'ai beaucoup aimé. Et justement, j'ai trouvé que le Superman était intéressant parce que j'ai toujours trouvé que Batman était plus humain que Superman. Oui. Parce que plus torturé, plus blessé. Et en fait, dans ce film, tu te rends compte qu'il est aussi très humain, Superman. C'est vrai. Même si Batman évidemment. Best. Et toi, comment tu l'as ressenti par rapport aux autres? Après, il y a eu la Snyder's Cut, le premier, justement, Batman vs Superman, d'avoir la confrontation. Et tout ça. Moi, je garde un très bon souvenir parce que d'abord, j'ai eu la chance d'être à la barre avec 2 copains. Ah ouais. Avec Adrien, Antoine et puis avec ta pomme. Tout à fait. Voilà, et c'est vrai que... Mais tout... Moi aussi, cette scène... bon, attends, la galère ici ? Ouais, moins que toi, parce qu'il est plus calme, tu vois, donc c'est moins... voilà, mais je sais qu'on l'avait refait quelques fois. Ah ouais. Et je me souviens que tu avais eu du... Pas du mal, mais tu vas tellement vite d'habitude aussi. Là, tout d'un coup, au lieu de faire 2 prises, bon, t'en as fait 4... Donc, tu n'étais pas vraiment dans ta zone de confort. Bon, tu as fait 4 prises. Voilà, bon, voilà. Pour Donald, c'est quand même très, très long, 4 prises, quoi. 4, bon, peut-être 6, à la limite. Mais non, il était difficile, ce personnage très, très speed, très... Et je me souviens d'un très bon souvenir de cette scène. Puis c'était au siècle dernier, quand on pouvait enregistrer encore ensemble. Mmh, c'est clair. J'ai comme l'impression que, de côté de la régie, on essaye de caler le rire du Joker. Est-ce que je me trompe? Comment tu sais? Bah parce qu'en fait, j'ai un autre retour programme et que je suis pas trop con. Si vous me prenez pour un oubli, j'ai un écran, il est devant moi. Voilà. Donc si vous voulez le passer, n'hésitez pas. Vous êtes prêts ou pas? Pas encore. Pas encore. Bon, bah, on va faire comme si j'avais rien vu. Putain, je pensais qu'on allait pouvoir l'enchaîner comme ça et tout. Voilà. Allez, Pat Le Guen, c'est tout ce que c'était. Hein. Je perds du poids, je commence à ressembler à Orson Welles sans le talent. T'étais là, t'étais à la place, mais oh là 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 là. C'est n'importe quoi. C'est un très bon souvenir, c'est chouette. Hein, mon conducteur était en PLS, hein, on a fait 3 heures d'émission. Je crois que la première émission, on a fait n'importe quoi. C'était incroyable. On a bien rigolé. Ouais, c'était chouette, on était dans un salon, un peu comme là, on a l'impression d'être... On est bien. Mais oui, on est bien. La prochaine fois, il faut de la grenadine avec des cacahuètes. Merci, il a la grenadine. Ok, bon, on fera ça pour les prochaines. On fera ça pour les prochaines. D'accord, d'accord. Voilà. J'ai une toute petite question, mais vas-y, fais. Sur ça, je suis un petit peu nulle. Qui avait fait la voix française de Clooney? Je le cite parce que, voilà, je ne sais pas. Même si... vous savez pas, vous l'avez... Je n'ai pas vu ce Batman-là. Oui, Clooney, il l'a fait une fois. Oui. Ah, normalement, Georges Clooney, c'est toujours Samuel Labarthe, normalement, qui le double. Peut-être que dans le chat, ils savent. Clooney, c'est... J'ai vu qu'on en parlait un petit peu dans le chat. Mais si, oui. Non, c'était pas... La Cambrie, il n'est pas resté dans les annales, celui-là. C'était pas celui où il y avait Jim Carrey qui était en punk, là? Terrible. Est-ce que c'est dans celui-là qu'il est Jim Carrey? C'est Patrick... Par exemple, c'était là où l'autre? Patrick Noirty? Noéry. C'est le bon Merlin qui est viré, Spider-Fan, qui est viré. C'était pas terrible, ouais. On n'a pas... Voilà. Ah oui. Kilmer. Oui. Voilà. Ah oui. Kilmer, Clooney. Un extrait de Boris, nous aussi. Eh ben, faites péter l'extrait. Je me demande si ça rigole pas dans votre extrait. Vas-y, fais péter. Ah oui. Oh yes, yes. Ouais, c'est Inception ici. On est dans du Nolan, hein. J'adore. StreamVF dans StreamVF. À la fin du film, t'es dead, quoi. Ah ouais, à la fin de la journée, on était. Pour un rôle, pour un. On était. Il faut y aller. J'étais très étonné que tu le sortes, ce rire, mais tu nous avais fait ce bonheur. Merci beaucoup, Pat Le Guen, de nous avoir sorti cet extrait. Enfin, j'avais quand même grosse pression. Il y avait toi, il y avait Alexis Victor, mon pote Alexis, puis il y avait quoi, qui lui était carafan. Ouais. Mais vraiment une vénerie sur un cerf à moitié blessé. Quoi. Ouais, la Lali et tout, au corps d'harmonie. Ah ouais, c'était ça, t'avais laissé chasse à court. Ah bon. Deuxième extrait, Snyder Cut, Justice League, on regarde ça. C'est comme une couche de réalité dimensionnelle qui semble modifier l'espace-temps. J'appelle ça la force véloce. Ah, Gauthier Batou, super comédien. Et donc je suis carrément un trou noir de grignoterie. Oui. Je suis un grignotrou. On est combien en fait dans cette équipe spéciale de combat? 3. Y compris toi. 3 ? Contre quoi ? Je te le dis dans l'avion. La caisse. L'avion. Vos super pouvoirs, c'est quoi déjà? C'est une Dacia, non? Je suis riche. Mais c'est le break, c'est la version break. Qui est riche. C'est la version break. Pensez à quoi voiturer? Pour la voiture sympa, parce que nous avons Monsieur Fiat avec nous. Je sais pas exactement. Non, c'est une Fiat. Tu vas pas devoir dire non. S'il te plaît. C'est ça. Toi qui es un grand amateur de voitures. Oui, c'est vrai. C'est quoi comme voiture? J'ai juste vu un truc qui ressemblait à un 300 SL des années il y a longtemps, mais je sais pas. Non, non, je me demande si c'est pas un projet. Un proto Audi. J'y crois dans les. Proto Audi ou Mercedes. Qui l'a vu? Non, on ne saura jamais. Papillon, là, tiens, on voit un extrait, on ne retient que la voiture. On est quand même des mecs. Hein. Et bientôt, non, on va parler alors le PSG, c'est demain. Le PSG contre le Real. Kylian Mbappé s'est blessé au pied. Là, de quoi? Je ne suis pas concerné par le foot. Une Kangoo, nous dit. C'est une Kangoo, oui, c'est ça. Ah non, c'est le Fiat Multipla de Villebrequin. Si vous nous regardez, bravo les gars. C'est une chamade. Oui, c'est ça, c'est un concept car Merco. Alors on aura bien dit un SL, hein, c'est ça. Putain, c'est un SL modifié mode 2022. Voilà, c'est un proto. C'est classe, c'est classe. Ils ont dû en construire 3-4 modèles. Oui, c'est ça. J'ai vraiment eu de la chance de rencontrer Boris Rehlinger dans les studios de doublage. J'aimerais le revoir pour lui parler. SM 4299. SM? Ouais, tout un programme. Ah oui, c'était un soir, apparemment. Écoute. Non, mais ça devait être il y a longtemps, parce que je croisais dans les studios maintenant. Renéné 87, il y a marqué, je sais pas ce que c'est. Ouais, faites gaffe à pas faire bas de la chaîne, c'est marrant. Certains ont des pseudos exprès pour qu'on les remercie. Non, pas ici, la communauté est bienveillante. On est tous là pour ça. On a un dernier extrait, il me semble que c'est encore de la Justice League. Ah oui, c'est avec Jason Momoa, avec l'ami Xavier Fagnon, qui ne devrait pas tarder à passer dans StreamVF, bien entendu. Tu fais ça déguisé en chauve-souris. Littéralement en chauve-souris. Ça marche bien depuis 20 ans à Gotham. Ah ouais, c'est trop rare. À l'heure du combat, on aura besoin de toi. Alors là, rêve pas, Batman. Pourquoi? Parce que j'aime pas que tu viennes te mêler de mes histoires, fouiller dans ma vie. Je veux qu'on me foute la paix. C'est quoi ta logique? Pourquoi tu viens aider ces gens au milieu de nulle part? J'ai lu des trucs sur tes bonnes actions que tu crois que personne connaît. Tu te joindras à nous. L'homme fort est encore plus seul. Ça te dit rien, ça? C'est Aquaman, lui, c'est ça? Superman, hein, ça te dit quelque chose? Il est mort à mes côtés au combat. Fais gaffe, Julien est peut-être en train de regarder. Bah voilà, t'as tout dit. Il disait qu'ensemble, on était plus forts. On lui doit bien ça, de s'unir. À moi, je dois rien du tout. À personne. Donc on a découvert dans... Ça fait penser au bain du 1er janvier. Oui. Ça fait penser au bain du 1er janvier dans le nord de l'Europe. C'est ça. Personne n'y va. C'est un peu ça. Nous, on les regarde. Sean Ruffin demande, ça tombe toujours, est-ce que Thomas a proposé de faire l'effet de la voix sur Batman ou la DA décidé de rester fidèle sur l'écran coupe? Donc, est-ce qu'il y avait un effet sur la voix ou tu as dû modifier un truc, toi? Non. Il n'y avait pas d'effet sur la voix, ni en VO, ni en VF, je crois. Et toi, t'en avais un sur Ben Affleck? J'en avais un, mais j'avais aussi fait un peu... Parfois un petit peu descendu. Bah, on savait pas trop. On savait pas trop parce que quand on enregistrait évidemment le film et la post-prod n'était pas finie. Si on a pas de comme ça ou s'il y avait et en fait ils ont très vite. Je l'ai fait comme ça, mais ils parlent très peu. Et en plus sur une voix en descendant comme ça. Dis-moi. Voilà, toc. Mais il y a eu un effet en plus remis sur. Je crois. Ah, c'est cool. Tiens, j'ai oublié de dire un truc. Il est où mon masque? Où qu'il est le masque? Il est derrière, il est où? Je l'ai enlevé, il est là. Non, je voulais vous dire un truc, c'est parce que j'ai trouvé ça tellement génial. Et dans ce métier, on fait toujours avec des briques et de broc. Mais c'est le masque qu'ils ont utilisé pour le tournage. Warner me l'a fait envoyer pour que j'enregistre avec. Mais c'est de leur volonté pour qu'on ait le même son. D'accord. Je l'ai pas pris pour faire l'émission. C'est-à-dire que j'ai enregistré tout le rôle avec ce masque-là. Oh, génial. Et c'est le masque de Paul Dano. Il manque les lunettes, mais on a le même. Ce qui fait que pour nourrir le personnage qui est ça, j'ai galéré comme un ouf sur les bandes annonces, mais pour le film, avec ce truc-là, en 10 minutes, j'étais dedans. Ah oui, j'ai eu ça avec en doublant le film de Claire Denis, de Pattinson, où il est dans l'espace, et effectivement, la production avait mis son costume quand il sort de la station... Et en fait, donc il m'avait mis ça et j'enregistrais avec la bulle. Mais non. Ouais. Un aquarium. Ouais. J'enregistrais, tu vois, pour que l'ingé son ait vraiment le son direct, quoi. Incroyable. C'était dingue. C'est trop bon. J'adore ces trucs comme ça. Je trouve ça très rigolo. Trop marrant. Bah, du coup, t'es dans ton perso, quoi. C'est clair. Mais moi, ils m'ont cueilli quand je suis arrivé là-dessus. Ils m'ont dit tiens, c'est le même que pour le tournage. J'ai fait oh merci. Et du coup, on a refait des bandes annonces sur les dernières avec ça. Et comme je disais tout à l'heure, j'aime pas m'écouter. Et sur les bandes annonces, je trouve que j'arrivais pas à rentrer dans le personnage. Mais dans le film, en le bossant, et d'ailleurs, j'ai commencé le film par les 3 quarts du film. Je ne vais pas spoiler. Hein. C'est après qu'il soit passé un truc assez important. Et j'ai commencé là-dessus parce que c'était hyper technique. Et pour le trouver, on a passé 1 heure à bosser sur cette scène-là, repartir au début une fois que je l'avais bien nourri. Et là, on était reparti sur de bonnes bases et on a fait les bandes annonces. Et là, j'ai commencé le rôle. Et c'était trop bien. C'était muselier à pitbull. Ouais, ouais. Ah, mais c'est ça. Hein. C'est un truc de grand froid. Ça fait penser. C'est un truc de grand froid. Ah ouais, vraiment. Quand j'étais ado, ça me fait penser au Jason, au vendredi 13. Moins 40, si t'as pas ça, t'as vite fait d'avoir le bout du nez qui tombe. Mais elle est flippante, cette scène. Enfin, je pense que la scène dont on parlait tout à l'heure, elle est assez flippante. C'est flippant. Je me suis régalé. En tout cas, vous nous donnez envie d'aller le voir. Oui. Ah oui, c'est un très bon Batman. Très très bon Batman. Alors, on ne contredira pas, Carole, la docteur S. Batman. C'est moi. Je suis Batman. Je ne le dis pas trop fort ce soir. Hein. Vous avez tellement de chance d'avoir incarné ce personnage au cinéma, franchement. Et ce que j'entends de Thomas, c'est vachement intéressant parce qu'effectivement, il y a une autre dynamique. C'est un personnage qui est jeune, qui est vif. Et je ne sais pas où ils vont aller dans l'histoire. Je n'étais pas sûr de le faire au début, c'est à cause de ça. Ouais, parce qu'il était un peu moins jeune que l'acteur. Oui, je suis beaucoup moins dynamique. Tu vois, je suis moins vif. Tu vois, il fallait que Michel Derain de temps en temps. Ah pardon, je suis là. Ouais. Sur le film. Non, avec le général. Après, il est posé, hein, sur le film, il est très. C'est très dur d'être posé, mais d'être en même temps très actif. C'est pas parce que c'est posé que c'est pas dense. C'est pas intense. C'est ça la frontière qui est difficile à trouver. Et justement, quand il se passe quasiment rien, surtout sur les phrases courtes, c'est l'enfer. Ce qui est le plus difficile à jouer, donc à doubler ou même à tourner, c'est des phrases, c'est passe-moi le sel. Et qu'en fait, derrière, tu vas dire j'ai envie de te tuer ou un truc, et qu'il n'y a rien, et c'est ailleurs que ça se passe, quoi. Et ça, c'est hyper compliqué. Avec Double Face, la voix de Batman, il y a des tirades quand ils sont en train de se fighter où il lui explique pourquoi il est pas d'accord avec lui et ce qui va amener le conflit entre leurs deux personnages. Là, il y a des tirades. C'est dans lequel celui-là? C'est le 2. Ouais. Le 2 que tu as fait, dans le plus 2. Voilà. Juste avant qu'il décide de devenir d'endosser le rôle du méchant. Et là, il y a des tirades qui sont monstrueuses. Et au niveau du souffle, effectivement, quand tu es dans une voie rauque comme ça, tu perds du souffle. Ah ouais. Il faut aller le retrouver, il faut trouver les respires, il faut trouver la dynamique, il faut rester dans cette tension-là. C'est hyper physique, en fait. Ils ont une faculté, les anglo-saxons, mais à enfiler des tirades, on se dit, mais il respire par où? C'est le problème. Non, mais quand c'est un plan séquence, c'est qu'il n'y a pas de montage. Ah oui. Tout d'un coup, ils enchaînent un truc. Nous, évidemment, comme on a 30% de mots en plus en français comparé à l'anglais, on est une langue moins concise. Donc, il y a 30% de souffle en plus, et de mots en plus. C'est fou, ça. Donc, c'est hyper intéressant. Et voilà. Tu sais qu'il faut gonfler un bloc, parce que sinon, tu ne vas pas avoir, quoi. Non, tu t'arrêtes et tu fais... C'est ça. On est à bout de souffle, il faut que je la repasse, je suis à bout de souffle. Donc, physiquement, vous devez vous préparer quand même à chaque fois pour être bien. Moi, sur des gros tunnels de texte, on fait comme ça, je prends l'air à fond, je bloque. Et quand la phrase commence, je sais que j'ai poumon, ça baisse comme ça, comme un iPhone, tu sais, toute la journée, 11h12 après, et après, t'as plus de batterie. C'est très sportif, en fait. Il y a deux respirations, ça commence par le ventre, parce qu'au théâtre, on apprend ça, ça évite de se péter la voix, justement. Ouais. Donc, il y a un premier réservoir, un premier blast d'air, c'est là, ici, puis après, ça se termine par les poumons, donc ça fait... Il y a les côtes un peu entre les deux, quand tu fais... Il y a les deux, il y a un souffle, ça gonfle là, puis après, ça gonfle là. Donc, il y a une grosse réserve d'air, et justement, on commence par vider celle... en bas, est-ce qu'il nous évite de nous péter la voix, parce que du coup, on est détendu. Plus on hurle, plus il faut être détendu. D'accord. Si on hurle et qu'on est tout coincé comme ça, alors là, les cordes, elles font ping. Ouais. On se pète la voix sur un mot. Hein, comme les chanteurs, en fait. C'est pareil, mais vous êtes des artistes comme des chanteurs, quoi, qui doivent faire attention à leur voix. Sauf que le placement de la voix n'est pas là. Oui, j'imagine. Pas forcément la même. C'est notamment le résonateur, là-haut, qui fait une voix parler. Mais la gestion du souffle, c'est la même. Souple, là. Ce qui est cool, c'est que trois épisodes de StreamVF, on ne parle jamais des mêmes choses, et ça, c'est notre plus grand bonheur. Nous allons maintenant Parce que vous êtes très très bon, maître. Ah, mais oui, c'est calme, il est posé. Je vais poser une question. Vas-y, parce que j'allais parler de toi, Philippe. Mais vas-y. Là, je suis tellement contente. Tu parlais du fait d'avoir vu les films, le Joker, 3 fois. Tu l'as vu combien de temps avant de travailler dessus? Alors, la première fois où je l'ai vu, c'est avant de partir. On a doublé en septembre 2019. C'était un mardi. C'est vrai. Et donc je l'ai vu fin juillet. Ok, 2-3 mois avant. Voilà, fin juillet, donc pour doubler en septembre. Et je l'ai revu fin août, avant de doubler tout début septembre. Et puis après, la troisième fois que je l'ai vu, c'est à la Projo. Ah oui. Film fini. Ouais. Alors ce qui était dingue, c'est qu'on s'est dit, bon, généralement, tu sais, t'as des plans, le réalisateur refait parce qu'il n'est pas sûr. Non. Une copie, la première, on a travaillé. La deuxième, une deuxième copie sur laquelle on a travaillé. Et la copie finale, la même. Donc il n'a rien changé au niveau du montage, au niveau du son. Il avait déjà, dès la première copie, le premier truc. C'était le film, il était fait, il était comme ça, quoi. Et qu'est-ce qu'on va raconter sur cette partie Joker de cette émission, alors, du coup? Hein, on a tout dit. Il y a tellement de choses à dire. Non, il paraît qu'il a signé pour un 2. Ah, oh non! J'ai entendu, si le scénario est bon. Ah, j'ai vu ça. Le scénario est bon. Non, parce qu'après une histoire, et peut-être qu'en 2023, il s'est annoncé sur les réseaux sociaux. Ce serait énorme. Si! Oh, c'est beau ton plan, là. Si. Oh, oui. C'est beau, bien, ça teste. Oui. Bravo, Pat Le Guen. Voilà, donc... oui, parce que le temps de maturation... Oh, tu vois, chez toi... c'est comme sur TikTok, tourner votre truc en même temps. Regarde, c'est Batman, regarde, c'est Donald à l'envers. Attends, c'est-à-dire que je peux tomber, si je saute, ça peut... Non, il veut plus... Cela dit, t'as l'habitude d'être à l'envers. Je trouvais ça intéressant de laisser maturer. Tu vois le film et tu laisses maturer. Il se passe des choses et ça parle à ton inconscient. Et quand tu reviens travailler dessus, il s'est passé des choses. Ouais. T'as pas ressenti ça? Moi, j'ai ressenti ça pour le 3. Pour faire des trucs, pour se mettre dans des états pareils, c'est juste un vide complet. Intérieur, rien du tout. C'est juste là, une espèce de truc en sensation et tu sautes. C'est comme sauter d'un, de 16 mètres d'un rocher dans l'eau. Pour ceux qui l'ont fait, moi, je l'ai fait il y a très longtemps. Avant, tu sais pas pourquoi, et tu sautes, quoi. Ouais. Alors, évidemment, il y a aussi truc très technique, parce que c'est comme quand on conduit une voiture, on peut conduire très très bien, mais et puis avoir des réflexes, mais on sait conduire une voiture, parce qu'il y a quand même cette bande rythmo qui passe sur des grandes tirades comme ça, comme tu as eu, ou comme on a tous eu, ça va tellement vite, on peut pas faire n'importe quoi vu qu'on le joue pas. Donc c'est ça, en fait, c'est compliqué, c'est d'avoir cette partie complètement où tout d'un coup son instinct part et l'autre partie de soi-même qui contrôle complètement la technique, parce qu'on peut partir en live et puis quand on regarde on fait oh, non on va peut-être la refaire, non on la regarde, non on peut même pas monter, tu peux pas prendre, c'est quand on dit il y a du montage, là c'est que c'est mal barré sur la presse, c'est mal barré. Philippe, nous continuons de ton côté et avec un extrait, et tu sais quoi, on passe l'extrait, puis en même temps que ça passe l'extrait, on va avoir plein de questions à te poser. Oui, tout à fait. Wow. Vas-y, fais Peythieu. C'est toi qui les as choisis. Ici Gordon, faites redescendre le pont. Vincent Violette. Ce Gordon si parfait. Je t'avais dit qu'il viendrait. Attendez. Vous risquez votre vie. Dites-moi au moins votre nom. Qui que je sois au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes. Bruce ? Oh, ça s'ouvre, c'est beau. Il y a très peu de profondeur dans la voix, là. Il s'adresse à Rachel. Ouais. Et ça transparaît dans la VO. Oui, et c'est pour ça qu'elle fait Bruce. Elle comprend. Enfin, il lui dit sans lui dire. Il peut pas. Ah, c'est clair. Il y a un truc là-dessus, et ça faisait partie de la narration de l'histoire. Parce qu'il rebondit sur un truc qu'elle lui a dit. Dans la voiture. Voilà, exactement. Oui. Tu connais bien. Et oui, on dirait qu'il analyse. Et il parle à la femme qu'il aime, et donc forcément la femme, enfin l'homme que tu aimes, tu le reconnais. Si, et il peut. Mais oui. Féminin. Ah, voilà. Mais il ne peut pas. Mais c'est beau. Mais non, il peut pas dire qui il est. Ouais. C'est sa grande tragédie aussi. C'est absolument, absolument. Incroyable. Absolument. Et French Ginger, mais non, Tim Bruce, évidemment, on dit Bruce. Il y a une question qui est passée qui était très cool. Est-ce que tu as kiffé retourner sur Batman en Lego? Génial. Ouais, mais là, c'est Will Arnett. Et Will Arnett, c'est une autre dynamique. Et, oui, mais bon, t'as trouvé ton perso. Ouais, alors t'as cette dimension, cette densité dont tu parlais, mais sur une brique de Lego. Ouais. Et là, c'est non. Et donc, forcément, tu vas chercher d'autres. Tu vois, c'est d'autres ressorts. C'est plus cartoon, quoi. Ouais, c'est totalement cool. Cartoon. Et avec une dimension vachement plus potache, quoi. Il est, lui, tu vois, le Batman Lego, il est potache. Il fait cuire son homard au micro-ondes, quoi. Tu vois, le mec, beau, il attend, il fait que des conneries. Il est énorme, ce mec. Ah, c'est du grand bonheur. On n'est pas dans une collaboration Wayne-Nolan, on est dans une brique de Lego, et il faut que ça dépote, quoi. C'est pas le même ton, ouais. C'est pas la même énergie, c'est plus ton âme d'enfant, là. C'est plus mon âme de déconne. Ouais. Et d'ailleurs, French Maui nous demande si tu as eu besoin d'être parfois... à faire un truc comme nous, on dit un peu droit, un peu mettre moins de jeu pour être fidèle à la VO et le faire très... Dans Lego? Non, de manière globale. Dans Batman Alors ça c'est la collaboration avec mon directeur artistique. Je sais pas trop répondre à cette question-là, dans l'idée que... Christian Bale, il est jamais en pushing de jeu. Oui, c'est vrai. Donc, il alimente, quoi. Donc ça avait un mode d'emploi qu'il y avait déjà, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un mode de jeu que je comprends, que je ressens. Et il a des silences dans son jeu pour laisser alimenter, tu vois, ce qui va arriver. Ouais, nous, on ne crée pas la partition, c'est eux qui la font. C'est eux qui la font. Donc je peux pas... Si j'avais pushé, si j'avais été dans ma dynamique à moi, celle qui est d'un comédien qui découvre un truc, parce qu'on n'a pas 4 mois de travail et de chantier avant, et d'exploration, et un an de tournage. Donc ça serait forcément plus dynamique. Ah, c'est ça. Tu vois, et ça le déborderait complètement, et ça sortirait de l'image, et ça ne marcherait pas. Et toi, Thomas, tu as senti qu'il était pareil dans un truc habituel, où il était sur un jeu, on en a peut-être parlé tout à l'heure, mais tu as senti qu'il l'abordait différemment sur son jeu d'acteur? Alors, j'ai quand même retrouvé le jeu du comédien que j'ai l'habitude de doubler. Par contre, j'ai quand même... Alors, même si, effectivement, bon, sans tout raconter, tout dévoiler, tout gâcher, j'ai quand même trouvé qu'il avait, là, pour le coup, il était parti dans une dimension un peu plus physique à laquelle il n'est pas habitué. Et ça, je pense que c'était pour remplir le, remplir le bonhomme. Et puis après, mais si j'en raconte trop, je vais peut-être un peu spoiler tout le monde, mais effectivement, il a lui un point de vue et effectivement, tu le disais tout à l'heure, c'est on est un peu plus sur une partie peut-être un peu plus jeune du personnage, enfin en tout cas au début de quelque chose. Oui, oui. Voilà. Complètement. Très bien. Et avec une très belle morale d'ailleurs, je trouve, à la fin. Par rapport à la vengeance, etc. Je dis rien du tout. Ne dis rien, on ne dit rien. Juste une toute petite question, justement. Tu te verrais, du coup, incarner, justement, Batman encore d'autres fois et de manière plus, justement, un petit peu à la manière des autres Batman. Ça se voit. Entre nous trois, lui, il est super. Non, mais un Batman... C'est l'heure où on se taille, là. C'est l'heure des vannes, d'accord. C'est parti. C'est parti. C'est pas les mêmes Batman, en fait. C'est pas la même écriture. C'est ça. Un Batman plus mature, plus badass. J'ai une centaine de bouteilles pendant le confinement. C'est important. C'est très important. Donc, écoute, moi, franchement... J'ai adoré faire le film. Il en fait d'autres. Je l'ai fait avec grand plaisir. Franchement, je l'ai fait avec grand plaisir. Voilà, après je te dis, c'était c'est un truc très particulier à faire, quoi. C'est pas en tant que comédien et dans le travail de doublage, la partie doublage, c'est pas forcément les choses les plus rigolotes où il y a le plus de rupture, où il y a le plus de mais il y a un autre travail à fournir, quoi, un truc de densité, voilà, faut être là sur chaque phrase, faut voilà. Oui, ça doit être dur de dire « je suis la vengeance » en le disant, mais comme tu disais, c'est un petit peu comme quand tu dis « passe-moi le sel », il faut y mettre toute une intensité alors que c'est juste une phrase. Ça paraît hyper difficile. C'est pas évident. Et comme tu disais, après, effectivement, plus la partition est jolie, plus c'est facile à faire finalement parfois. Ouais. C'est plus facile de doubler un bon acteur que de doubler un... Quand on te sert un caviar, c'est sûr que tu as... Voilà, c'est ça, quoi. Et effectivement, tu plonges... Pas salopé non plus, mais bon. Tu plonges. C'est vrai que tu vois, tu passes d'un... Je vois le Joker, après tu fais les Feux de l'amour. Ouais. Ben, très difficile à doubler, parce que et les acteurs finalement, je sais que le mec que je doublais qui fait que 3 ans, il avait Dylan fait un pari pour dire je placerai Dylan. Lui la première fois que je l'ai vu au cinéma, c'était dans le film Brubaker avec Robert Redford, avec Gandolfini, le mec des Sopranos, où il se passe une prison militaire, il y a des choses très bizarres qui se passent dedans, et Robert Redford, qui est un général, se fait faussement incarcéré pour démanteler tout un truc mafieux, et le personnage, l'acteur que je doublais dans Les Feux, qui était là, quoi, c'était le bras droit, c'était le troisième membre du film. Aux États-Unis, tu peux très bien faire un soap, toi, 2 mois après, tu es nominé aux Oscars, tu vas jouer au théâtre, Voilà, l'une des rares exceptions qu'on ait, c'est Jean Dujardin, qui est né dans un soap et qui s'est retrouvé à avoir l'Oscar. C'est ainsi une... Chouchou. Oui. Chouchou, si tu le regardes. Alors, si jamais un jour tu vois nos émissions, tu es plus que bienvenue dans StreamVF. Alors là, ce serait incroyable en guest. C'est bien, on a pu passer du coq à la hête. Et en parlant quand même des Feux de l'amour, ça me touche. Ça, c'est incroyable. C'est ça, StreamVF. Et oui, on finira l'émission par « Je suis la vengeance de nos Batman » pour terminer l'émission, mais on n'y est pas. On a un deuxième extrait, mon cher Philippe. Alors celui-là, je crois que tu ne l'as pas choisi. Mais comment ne pas passer à côté du Joker? Ah oui, on l'a. Incroyable. Je t'ai fait comprendre les devants. C'est un truc de fou. Ouais. Tu t'imposes tant de règles. Savoir qu'il n'y a pas d'effet sur ta voix. Il contrôle. Je n'ai qu'une règle. Alors fais un effort pour l'oublier si tu cherches la vérité. Précise. Le seul moyen de survivre dans ce monde est d'oublier les règles. Et ce soir, tu vas devoir oublier ta règle d'or. C'est une possibilité. Avec le peu de temps qui te reste, tu vas être obligé de jouer à mon petit jeu si tu veux sauver l'un des deux. Oui, il a... Pendant un certain temps, j'ai vraiment cru que tu étais Dent, à la façon dont tu te jetais sur elle. Et génial. N'hésitez pas à parler de temps en temps pour éviter les claims. Et à rire. Attends, mais je suis au cinéma. Ce que fait l'acteur est fou. Avec sa langue, il est... Mais alors j'avais lu un truc, il avait regardé, parce qu'il y a l'énergie d'un reptile, il avait regardé, je crois, des vidéos animalières de reptiles, de serpents, il y a quelque chose de très reptilien. C'est vrai, tu le dis, ouais. Comme ça, il avait traversé sur l'énergie des serpents, des lézards, tout d'un coup, qui s'arrêtent comme ça, et puis qui sont très vifs, puisque fait Ronron, Stéphane Ronchevski, qui n'était pas là, malheureusement, il joue au théâtre. Il joue au théâtre. Il joue dans quoi? Il joue, alors, dans le, on va faire la promo, il joue dans notre ami Luc Hamet qui est venu, qui a son théâtre Edgar, c'est à Montparnasse. Il joue le soir à 19 h une pièce, je ne me rappelle plus du nom, mais voilà, si vous voulez voir notre Joker et aussi Luc, qui est le propriétaire du théâtre, c'est à 19 h le soir. Stéphane Ronchevski. Il s'appelle Stéphane Ronchevski. Allez-y avec le mot de passe StreamVF, vous aurez moins 0% à la bibliothèque. Mais parlez-en. Exactement. On est très à la bourre, mais c'est parce que les discussions sont passionnantes. On a un troisième extrait, Philippe. C'est toi qui l'as choisi. Alors, j'ai pas pris le truc des colliers de Martha parce que le troisième extrait est sympa. En fait, tu parlais pas assez. Mais elle est super compliquée, cette scène est merveilleuse, ce qu'il fait. Attends, je crois qu'on sais pas ce que t'as pris. Je sais pas, on va la regarder. Je sais plus ce qu'on a, mais je crois que lui il choisit ses extraits, lui. Oui, bah oui. On a évoqué, on a c'est sans contrat, c'est sans le contrat. Oh là, ah oui. Vous espérez une franche poignée de main. Alors que vous venez de tout détruire. Non, non. J'ai conscience de ce que ça implique. Ça implique quoi? Ça implique votre haine. Et ça implique de perdre quelqu'un pour qui j'ai eu de l'affection dès que j'ai entendu ses premiers cris. Je n'arrive pas à revenir. Entre ses murs. Mais cela peut impliquer une dernière chose. Tu l'as, Philippe? C'est de sauver la vie. C'est... je n'ai aucune excuse. C'est le plus important. Frédéric Serdal? Frédéric Serdal. Merci, Jordan. Bien évidemment. Adieu, Frédéric est fabuleux là-dessus. Ah là là. Magnifique. Incroyable ce moment. J'ai honte, j'ai dit adieu Alfred au moment où ça passait. C'est qui l'acteur qui double Philippe Valmont? C'est... Alors attends... C'est ça. Double hommage de Philippe Valmont est pas mal. La densité de cette scène est extraordinaire. Ah oui, oui. Il perd son tuteur, quoi. C'est ça. Pourquoi tu l'as choisi cette scène? Parce qu'elle t'a marqué? Ah oui, oui, oui. Et puis voilà, avec Frédéric, c'est un pur bonheur. On enregistrait séparément. Ah ouais. Mais Michel Derain, qui nous dirigeait, vraiment nous a fait nous jeter dedans une première fois. Et pour se parler. Et on se dit adieu. Mmh. Et c'est fabuleux, quoi. Ouais. Et c'est le grand plaisir de travailler ensemble, quoi. Ouais. Qu'il se passe des trucs. Ah, c'est sûr. Des trucs qu'on n'attend pas, l'imprévu, et c'est enregistré. Et ça, c'est fabuleux, quoi. C'est vrai. Alors, pour répondre à ta question, Boris, pourquoi il a choisi ces extraits? C'est que toi, il y a ton fauteuil attitré, donc j'essaie de te surprendre un petit peu. Mais c'est vrai. Mais moi, je n'ai jamais choisi aucun extrait. Mais c'est pas dans mon contrat, Philippe. Ouais, mais il y a les stars. Et Thomas ne pouvait pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, tu vois. Il n'y a pas. Donc, je n'imprime pas la bande. Pas le droit, tu vois. Comme disait Marielle, tu sais. Ah ouais. On était en galère, hein. Je te jure. Et on a retourné YouTube, on a tout regardé partout. Rien. Rien. Mais bon, on a quand même bien pu parler du film et ça, c'est bien cool. Les gars, on arrive sur le moment que tout le monde kiffe dans cette émission. La première fois qu'on l'a fait, c'était dans la Spider-Man. Depuis, on l'a toujours fait. C'est le redoublage. Toi, t'es arrivé un peu tard, la faute à Haroun. Écoute, Haroun. Mais on va commencer par toi, Philippe. Le redoublage, on a la virgule. Et ensuite, c'est Philippe Valmont en Christian Bale. Philippe, le micro est à toi. C'est le moment où... l'énergie encore. Ah ouais, oh là là, t'as vu? C'est beau, hein? Et alors, c'est une leçon. Et là, je crois que c'est incroyable. Fais gaffe. Alors, on avait dit qu'on faisait gaffe au câble, parce qu'on tient notre caméra. Comme dans les tranchées, attention au fil. Ah, c'est ça. Allons-y, Christian Bale. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Let's go. Distance micro, ça te va ou je m'éloigne? C'est parfait. Super. C'est Bruce Wayne ou c'est Batman? C'est Bruce Wayne. C'est Bruce Wayne. Bruce Wayne, oui. Ah, c'est cette. Moi, j'entends rien là. Mais je peux y aller sans rien. On les avait, hein. Il est au téléphone et c'est retransmis dans la grande salle. Un milliardaire ivre incendie sa propre maison. Bruce Wayne. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez décider qui dirige Wayne Enterprise? Eh bien, le fait qu'elle m'appartient. De quoi parlez-vous? L'entreprise est en bourse depuis la semaine dernière. Et j'ai acheté presque toutes les actions, sous couvert de différentes sociétés de fonds, de courtage, etc. Tout ça est un peu technique, mais l'important, c'est que l'entreprise soit en sécurité. N'est-ce pas, Monsieur Fox? Tout à fait, Monsieur Wayne. Tu n'as pas reçu le mémo? Oui. On entend la dernière fois. Oui, on a entendu Benoît Alman, on a entendu Hervé Bellon, qu'on embrasse. Hervé. Et oui, ben merci Enzo de Bing, ça y est, on a trouvé. C'est le 4K 60 FPS maintenant, ça ne lag plus. Ah, yes, on a trouvé. On y est même. Ça ne scintille plus. On parle de 4K 60 FPS. Oui, c'est fou quand même. Fais gaffe au câble. Oui, magnifique. Ouais. Oui, même ici, tu te rends compte, Caro? Attention, on n'est pas en mode performance. Ça ne dit pas, mais il y a du paquet quand même. Oui, mais ça, c'est la technicité. C'est pour vous piéger. Ouais. C'est ça. C'est génial. Mais c'est très dur à faire comme exercice. C'est très dur. One Tech demandé, One Tech assuré. Le prochain à passer sur le grill, c'est Boris Rehlinger. Merci de ne pas m'avoir filé une boucle avec. Non, mais on fait ça propre. On fait ça propre. On va demander 2-3 minutes. Je recolle le fil. Ouais. Ah, heureusement, tu es là pour nous recoller. Ah, putain. Alors, est-ce que j'ai bien les yeux? Toujours. Parce que je fais ma coquette, hein, j'ai pas mis mes lunettes. Ah merde! Ah, bah non, mais mets-les! Je t'appuie sur l'épaule, si tu veux, quand c'est à toi de parler. Il n'y a plus de respect. Non, en plus, je suis même pas sûr. S'il est comme moi, il voit rien. Je les ai pas. Tu les as pas? Non, c'est pas grave, allez, sans filet. Sans filet? Allez, sans filet aux fiches. Avec une grosse presbytie, l'âge, sans doute. Oh putain. Ok. Barry Allen, Bruce Wayne. Vous dites ça comme si ça justifiait qu'un parfait inconnu soit chez moi, dans le noir, assis dans mon fauteuil préféré numéro 2. Expliquez-moi ça. Il s'agit d'un mec qui est exactement comme moi, mais qui n'est absolument pas moi. Un petit feuge, très beau gosse. Quelqu'un qui a, je sais pas, volé votre montre à gousset, vos chemins de fer? Je sais que vous avez des aptitudes, mais lesquelles, ça j'en sais rien. Ah, vous voulez mon CV? Je joue de l'alto et je fais du web design. Je parle couramment la langue des signes, signe des gorilles. Tissu en sable quartzeux à base de silice anti-abrasif. Thermorésistant? Je fais de la danse sur glace de compétition. On en met sur la navette spatiale pour éviter qu'elle brûle quand elle rentre dans l'atmosphère. C'est de la danse sur glace de très haute compétition. Je sais pas qui vous cherchez, mais c'est pas moi. Ah oui, bravo Maurice! La classe, la classe. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a un moment, ça a un petit peu glissé, mais... Parfait. Non, tu n'as pas glissé. J'ai rajouté un ça qui n'était pas sur la réponse. Tu sais que tu n'es pas payé plus sur le contrat. Hein. Non, tu ne repasses pas la compta ici, là, c'est StreamVF. Hein. Tu ne repasses pas la compta. Bon, du coup... Et on a une bonne surprise parce qu'on a quand même retrouvé une scène en VO, merci Enzo, qu'il a refait, il a même fait des dialogues, il y a 4 lignes, mais il y a quand même Thomas Roditi sur Robert Pattinson. Ah bon, d'accord, je ne l'ai pas vu. Ah oui, tu l'as pas vu, c'est la photo-taxi. C'est ça, Haroun, je te hais, Haroun. Merci à toi. T'inquiète pas, on ne te piège pas. C'est quoi? T'as mis tes yeux? Ouais, les yeux encore ça va, c'est les genoux plutôt, non? C'est qui le gars à la moustache avec le nez cassé? C'est l'un des gars qui s'est retourné impliqué dans l'Iceberg Lounge. Je suis pas sûr qu'il soit juste un flic. Putain, j'ai pris du poids, enfoiré! Magnifique! Ah, c'est beau! Je crois que c'était qu'il s'est retrouvé, mais ça a sauté à ce moment-là. Ah là là, c'est beau, c'est beau! La classe, tu sais qu'on a eu un Damien Viteca qui portait un mur et qui a fait « T'as cassé l'armoire Ikea !» Et il nous a tous tués. C'était magnifique. C'était magnifique. Bravo. Bravo les gars, vous avez assuré. Et je suis très content. Nos bandes rythmo sont à peu près stables. Alors moi, je me porte volontaire. StreamVF doit faire un grand détournement d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc Je pose ma candidature, là, ce soir, c'est officiel. Ne t'inquiète pas, c'est officiel. Rêvé, tu sais. On est dessus. Voilà, je suis candidat. Même pour un... En régie, on dit, ah bon, oui, même ça fait 3 ans qu'on a un diffuseur. Ouais, ou un Captain 3. Ouais, ouais, non, t'inquiète pas, on y pensera. De toute façon, tous les poteaux seront là en premier, bien évidemment. Ah, ça, ce serait drôle de faire un détournement, un truc. Ça, c'est trop cool. Non, c'est pas ce serait drôle, c'est quand. Quand ça sera drôle. Je vous jure, je suis sûr. Quand ça va être drôle, c'est ça. Et puis, ce qui serait drôle, tu vois, c'est en direct, quoi, là, tu vois. En direct. Ah, bah ouais. Ça dépend si Canal nous ouvre les portes ou pas. Bon, ah. On verra. Ça, ouais. C'est un autre concept. Ouais, un vrai direct. On croise les doigts. On croise les doigts. Allons-y, quoi. C'est parti. Ouf. Non, mais c'est quoi la marque de ta lessive? Je ne sais pas très bien. Un truc à vue, un truc. Oui, à la pointe du Nord, un truc à l'ancienne. Haroun? Oui, c'est moi. Haroun, superstar. Sur Free Now, t'es la superstar. Merci de nous avoir plantés. Bon, les gars! Continuons, on a un quiz spécial méchant, il va falloir retrouver qui se cache derrière les voix des méchants que nous allons passer. Très très mauvais. Bon, il y a des il y a des trucs, c'est inratable. Ouais. Il y en a même qui dirigent, si vous les trouvez pas, ça va être compliqué. Ah ouais, c'est moche. C'est le quiz. Merde. Très bien, les amis, nous commençons avec le méchant de tous les méchants. Masterclass dans les oreilles. On ne vous a jamais dit que le rire pouvait tout guérir. C'est qui? Nicholson. Ah, bravo. Et la voix française? Jean-Pierre Moulin. Bravo, bravo. Bravo. Est-ce que oui, vous avez gagné avant le chat? Dès qu'on l'asticote. T'es cinglé. On ne vous a jamais dit que le rire pouvait tout guérir. C'est ton préféré, Carole? Ah mais c'est mon préféré. Où est-ce qu'il trouve tous ces incroyables jouets? Il est incroyable dans ce film, dans l'attitude, dans toutes les scènes, quand il rencontre la journaliste Vicky, qu'il est au musée, qui regarde ses photos de la merde, de la merde, de la merde. C'est fantastique, fantastique. Il est habité, cet acteur. Il est fou, mais oui, il est habité. Je crois qu'après certains... Après Shining, je pense que... Il fait des séjours... On HP, vraiment des maisons pour se remettre. Un peu comme du jardin dans 10% quand il en passe de son rôle d'ermite. Génial. Génial, exceptionnel. Deuxième extrait, attention, si vous avez envie de bosser, il serait temps de la découvrir dans l'univers Batman. Il paraît que je suis contrariante, je préfère vous le dire tout de suite. Ah, c'est bien, tu vas continuer à bosser avec elle. Dorothée Pousseau. Harley Quinn, bien évidemment. Ben oui. Elle est incroyable aussi. Ah ouais, ouais. Un peu cassée. Vous êtes obligé de la faire venir Dorothée sans caméo dans cette émission. Vous m'énervez. Vous savez quoi? Vous crevez. Il paraît que je suis contrariante, je préfère vous le dire tout de suite. Voilà, tu la fermes. Est-ce qu'elle est belle, hein? Ah ouais, ah, Margot Robbie, c'est un avion de chasse. C'est un magnifique. On ne dit plus MiG-29 aujourd'hui parce que ça ne passe plus, donc c'est un mirage, c'est un rafale. Ça, c'est une compétition. Oui, c'est ça. Dans le loup de Wall Street, voilà, au top, au top, au top. Et puis elle, quand elle incarne la patineuse aussi, même si... Lequel, la patineuse qui a eu tous ses problèmes dans les années 90, au JO de 80... Ah, je l'ai pas vu. Dans Aitonia? Aitonia. C'est beau. Incroyable ce film. C'est Dorothée qui faisait... Non, c'est Margot. Ah pardon. Ouais. Voilà. Peut-être pas doublé. Bon, ouais. On ne sait pas. Doublé. Je faisais le mari, moi. Pas, voilà. Bah oui. Bah oui. Moi, c'était le mari qui de temps en temps, bon, le truc qui partait, c'était pas bien méchant, quoi. Oh, c'est les souvenirs de tournage. Tout à fait. Ce qui se passe sur les tournages reste sur les tournages. Oh là, Viron dit Margot Robbie. Attention, en dessous de Carole Quintaine. Oh, bah alors là, je pense que t'as un ticket. C'est gentil, mais bon, Viron, mais très gentil. Alors, Carole, 06. Commence pas. Non, je ne me permettrai pas. Continuons. Ah ouais, masterclass. Il est déjà venu dans StreamVF, peut-être même avec l'un d'entre vous sur ce plateau. Ouais, ça va, j'en ai trouvé deux. La grotte se remplira de tes de tes pires cauchemars. Et tu n'atteindras jamais. Mais oui, bien sûr. Sur l'épouvantail. Et c'est tous vos potes. Vous Vincent, ouais, vous, ouais, oui. Super comédien. Potes, ouais, exactement. Un Philippe Valmont. Trop tard, encore un pas, et ceci part à l'eau. La grotte se remplira de tes plus sombres, de tes pires cauchemars. Et tu n'atteindras jamais tes racines au venin. Trop bien. Ah, il est génial. Ouais, et à la base, dans ce quiz, on avait mis l'homme mystère Et du coup, parce que j'avais adoré Arkham, l'homme mystère, et c'était vraiment trop bien. Il est génial, il est brillant. Le du coup, c'était Martial, le minou, qui devait... en fait, c'est bizarre, mais j'avais mis dans ma tête que Vincent Violette était l'homme mystère dans les Arkham, mais non, il faisait l'épouvantail. Donc, du coup, Scorsese, c'est moi qui suis viré cette fois. Voilà. Oh. Si je n'ai pas viré cette fois, c'est moi. Et, mais en tout cas, grosse performance de Martial et de Vincent dans l'Arkham. De toute façon, c'est goldé dans ce jeu-là. Ah bah non, mais... Vous avez bossé sur les Arkham, vous? Sur des PNJ, des... Je vais t'éclater la caboche dans Asylum. Enfin, je ne pouvais plus de celui-là. Mais Asylum, il a une ambiance très dark, très détective, justement, que j'ai un peu retrouvée dans le film. Ouais. C'est vraiment un une très bonne série de jeux. Après, le gameplay est un petit peu lourd, etc. Mais c'est vraiment d'excellents jeux. Et d'ailleurs, Paul Dini, qui écrivait les scénarios de la série animée Batman, de 92 ou 93, je crois que c'est 92, vous me corrigerez si je me trompe, eh bien, était sur les scénarios des Arkham. Oh, c'est pour ça aussi que ça tient la route de ouf. Quatrième extrait ou cinquième? Oui, quatrième, encore un méchant qui est venu dans ce stream VF d'ailleurs. Un gros méchant. Ce n'est pas une question de volonté, mais de justice élémentaire. Constantin Babas. Oui, double face. C'est incroyable, comme sur cette émission, vous êtes en train d'enterrer le chat, c'est la première fois que ça se passe. Grâce à toi, Philippe. Vous ne voulez pas. J'en ai trouvé deux quand même, vous êtes dégueulasse, j'en ai trouvé deux. Tu veux de l'eau? De volonté. Mais de justice élémentaire! C'est un vrai méchant de fou! C'est un truc qu'on pouvait être respectable! On s'est régalé là! En étant détestable! Ah oui! Toute la séquence, c'est génial! Papas. Quel amour! Harvey Dent. Harvey Dent, génial. Je crois que le meilleur Harvey Dent, c'était sur celui-là. Ah, mais complètement. Vraiment, c'est lui. Il ressemble à celui des comics. Ouais. Petite anecdote, à la base, il s'appelait Harvey Kent. Mais ils ont changé le nom pour pas qu'il s'appelle comme... Clark Kent. Incroyable. Ah, merci pour cette anecdote. Petite anecdote. Merci beaucoup. La suite avec... on en a déjà parlé tout à l'heure, mais on est obligé de le mettre. Oh, vous y allez bien en tête. Admirable chez un homme qui porte masque. Le pingouin de Vito. Tout à fait. Donc le défi, enfin le deuxième, Returns. C'est la Bible. Oui. C'est beau. Vous y allez. Notre ami Philippe Peythieu qu'on embrasse. Incroyable. Vous y allez bien en tête. Admirable chez un homme qui porte masque. C'est Philippe. Oui. Et dans les Arkham aussi. Ah, il a... Vous n'espériez pas une victoire entre nous. Comme le pingouin. Il est écœurant dans ce film. Ouais. Incroyablement. Ouais. J'aime bien les bruitages. Ah ouais, mais... Miaou. On s'est fait chef. Miaou. Miaou. Tu le connaîtrais pas par cœur? Ouais. Trop bien. Le premier plan de Michel en Catwoman dans votre fait. Ah ouais. Ah oui. C'est l'une des plus belles Catwoman. Ah oui. Tout à fait. C'est bien cousu. D'accord. Les amis, le dernier. Alors, on n'a fait que du méchant, mais on était obligés de parler de lui, évidemment. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Ben, c'est Alfred. Est-ce que ça va? Mais Monsieur Siron. C'est Jacques Siron. Jacques Siron. Eh oui, je voulais... On passe vraiment sur tous ceux qu'on marquait, et Jacques sur Alfred est exceptionnel. Comment ça va, mon jeune ami? Mais aussi, lui, il a fait... Même si c'est pas le meilleur Batman. Tu ne peux pas appeler comme ça. Oui, mais Jacques Siron... Les vieilles habitudes ont la vie dure. Est-ce que ça va? Oui, cheese. Je crains qu'il n'ait enlevé le docteur Méridien. Quelle voix! Ah là, puis la préciosité. La Batcave est totalement anéantie. Et nous avons un nouveau. Un anglais qui parle français. C'est ça. On en a plus. Tu veux une anecdote sur Jacques Siron? Vas-y, vas-y. C'est une anecdote, pardon, de théâtre. On était en tournée, on jouait ensemble une pièce de théâtre. Et on était en tournée. Et c'était Pascal Héritier qui nous est tourné, une pièce de boulevard. Et j'avais un rôle dedans. Et il y avait aussi notre administrateur de tournée qui était comédien dedans. Et comme j'avais mal au dos, parce que j'avais un problème dernier discal assez fort, il y avait beaucoup plus jeune que Jacques Siron. Et Jacques avait accepté de voyager derrière. Et à un moment, il y a quelqu'un qui nous fait une queue de poisson. Et là, moi, ma nièce, elle m'appelle Tonton Gros Mot. Donc voilà, et avec le chauffeur, et nous ça part, allez, saloperie, vagin, enculé, tous les noms d'oiseaux et tout ça, il y a Jacques Siron derrière avec cette voix là, qui nous claque comme ça. Seigneur Marie-Joseph, non, Seigneur Marie-Groseille, de la gaieté mes enfants, certes, mais du bon ton. Oh. C'est beau, ça remet les choses en place. Magnifique. Jacques, et quel homme délicieux. Vraiment. Oui, ah, j'aurais adoré l'inviter, mais c'est se reposer. Absolument. Mais en tout cas, gros respect, je ne pense pas qu'il le verra, mais voilà, il a marqué... tu pourrais peut-être, parce que tu le connais depuis tout gamin, toi. Parce que tu as commencé très petit, ouais. Oui, j'ai dû le voir quand j'étais gamin, mais je pense qu'il se rappellera jamais de moi. Mais tu peux peut-être éventuellement faire une séquence où avec une caméra, et puis tu vas l'interviewer chez lui, s'il est d'accord. Il va me faire une introduction. D'ailleurs, dans le lourd des années 80-90, là, on a eu un petit hockey là, qui fait bien plaisir. Je ne vous en dis pas plus, mais ça va vous faire kiffer. Oh. Ah ouais, du lourd. Et je le connais pas parce que je bossais, et on s'est jamais rencontrés, mais ça fait partie de ces voix de légende des dessins animés qui va venir dans StreamVF très bientôt. Ah. Teasing terminé. Oh. Ah non, ah pas lui. Ah non, pas toi. Ah non, oh non, bon bah passe là ta vidéo. Putain. Tellement bien joué. Bonjour, bonjour. Ici le Joker. Comment allez-vous les bolos, hein? Donne-moi une raison de ne pas demander à mes hommes de te faire la peau. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas posé de bombe sur le plateau. Enfin, peut-être pas. Tada! Lâche cette arme. Oh. Comment vas-tu, Batman? J'espère que tu vas bien depuis le temps. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, je sais, tu me crois mort, Batou. Mais nous nous reverrons en prison. C'est là que se trouve ta vraie place, Batman. J'ai une petite question, Philippe. Où est passée ta voix trafiquée? Tu l'as laissée au vestiaire? Ou tu vas enfin révéler au monde que tu utilises Autotune comme Joule? À bientôt les bolos. Salut, salut. Ah, bon. C'était incroyable. Wow. Est-ce que tu t'autotunes? Autotune. Comme tout le monde. Ben oui, il va falloir avouer. Hein. Bah, j'aurais bien aimé, des fois ça m'aurait sauvé la peau. Non, mais ce qui était très confort, c'est qu'on faisait d'abord tout le personnage de Bruce Wayne, et après on avait du temps pour doubler Batman. C'est cool. Ouais, parce qu'il y a un moment où la voix, elle craque un peu, quoi. Tout à fait. Mais bon, ça ne s'entend pas, tu fais ça tellement bien, et en même temps, je sais que tu l'as fait toi-même. Respect à vie, voilà, t'as gagné un CDI de respect. Les amis, nous arrivons quasiment à la fin de cette émission, mais il nous reste quand même 2 séquences. Alors, vous m'avez complètement niqué, mon conducteur. Pas tant le moins, alors pourtant tu es là, on n'a que 6 minutes de retard sur le conducteur. Alors, on est à 2 heures avec Boris. Non, je jure, pas tout seul. Oui, avec Alexis et Coé, bon, soit, mais quand même, le bon client est toujours là. On a beaucoup parlé de Joker. On a 2 extraits, on en avait passé un petit peu, et on le regarde ensemble, et puis après, je te dirai, mais quelles questions je ne t'ai pas posées encore sur Joker. En tout cas, l'extrait, il est bien là. Vous êtes remonté contre Thomas Wayne aussi. Oh, ah, Jacques Frantz. Oui. T'es allé voir un peu comment c'est dans le vrai monde, Murray. Ça t'arrive des fois de sortir des studios? Tout le monde hurle au lieu de discuter, tout le monde engueule tout le monde. Il n'y a plus aucune bonne manière. Il n'y a plus personne qui se demande ce que c'est que d'être le gars d'à côté. Tu crois que les types comme Thomas Wayne, ça leur arrive de se demander ce que c'est que d'être dans ma peau? Oh putain, je suis aussi. D'être autre chose que ce qu'ils sont, absolument. Je suis mais direct. Tout ce qu'ils se disent, c'est qu'on va rester à notre place et encaisser comme des bons petits gars et qu'on va pas devenir fous furieux comme des loups-garous. Vous avez fini? Quel mouvement de jeu. C'est génial, du caviar. Ouais. Bravo, on applaudit. Bravo. Excellent, c'était bon. Ah, elle est montée du grand Boris. Mais ouais, du grand Boris, c'est vrai. C'est vrai que quand on te sert un caviar comme ça, quand tu sais faire comme toi, tu fais oh, trop bien. Ah ben moi j'arrive, je vois ça, tout d'un coup j'ai. Ouais, première mesure. Et ton plus beau cadeau de doublage? Ouais. Ouais, de loin. Hein. Ouais. Et je crois que tu m'avais dit quand on a fait l'émission que vous avez eu du temps, mais tu n'avais pas tant galéré que ça, tellement ça coulait, vous avez bossé, avancé. D'abord, parce qu'en plus, bon, il y avait Jean-Philippe puis Martin qui m'a dirigé. J'avais vu le film 2 fois. Et puis, oh, c'est pas bien, je devrais pas, mais l'auteur, on n'a pas changé un mot. Ah bon? On n'a pas changé un mot. Ah ouais, ça c'est quasiment pas. C'était écrit, d'abord, il avait eu du temps, je sais pas. En plus, on avait le... Comment le... Monsieur Pousse. Oh. Ah, Monsieur Pousse? Oui. Le joyeux Marine, là. Je l'ai pas là. La poussée haut. Ah, Nico! Ouais. Ah, Nicolas Pointet. Voilà, Nicolas Pointet. Le meilleur ingé de Paris. Un ingénieur formidable qui ne pose pas de questions, il est là, il est là. Alors, il ne fait pas rec, hein. Non, 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 il est là, il fait rec, puis après, avec le potard, il te suit, quoi. Il, en fait, il joue la scène avec toi, c'est comme s'il était là pour voir. Et donc, à aucun moment, il m'a demandé de la refaire parce que, tiens, ah, je suis désolé, il m'a un peu collé à la pastille du micro, t'es trop fort. Jamais. À aucun moment. Et, donc, vraiment ensemble, tous les trois, et puis il y avait un auteur. L'auteur, je sais, malheureusement, pardon si j'ai oublié ton nom, quand j'ai présenté le film des fois au Rex et tout. Peut-être que le chat peut aller vite sur Wikipédia. Oui, oui, oui. L'auteur, celui qui a fait la VF du film, était absolument un texte. Tu n'as même pas besoin de réfléchir au texte, t'arrives, ça coule. Ah, génial. Ça coule. Ça, c'est tout d'un coup, on se lâche, quoi. C'est bien. Tu sais que j'ai une petite anecdote avec Nicolas Pointet quand j'ai dirigé Star Wars 8. Non, c'était solo, c'était trop bien. Si, Star Wars 8, ici, t'as raison. Ça, ouais. Et Jean-Pierre Dorat, avec qui j'ai co-dirigé le film, il me dit « Ah, tu vas voir, Nicolas, c'est un orfèvre. Mais alors, il prend trop de temps. » Parce que, tu sais, il fignole tout. Et finalement, on s'est trouvé avec Nicolas et on a passé notre temps à tout méticuleux. Dans le même truc, et Jean-Pierre, il me disait « Oh, vous m'emmerdez, j'en ai marre. » Et il commandait son chirachi. Parce qu'on était sur le millimètre et tout, c'était trop bien. Je te fais un bisou, Nico, si tu vois ça. C'était trop bien. Quelle question je ne t'ai pas posée sur Joker? Je te l'ai dit tout à l'heure, on a tout évoqué. Je crois que c'est ça. Ouais, on va se faire plaisir. La naissance du rire sur la scène de l'appartement. Je ne sais pas si c'est l'appartement. En tout cas, on a le petit extrait. Magnifique. Te bille pas, Arthur. Ah oui, dans les loges. On ne dira à personne. Et tu me revaudras ça une autre fois. Tu sais que t'es Pascal. Oui. Arthur, Hoyt te demande à te voir dans son bureau. En fait, Gary, tu sais ce que je me demande depuis toujours? Aucune idée. Les gens comme toi, ils disent mini-golf ou golf tout court? Il est bon aussi, c'est Pascal Canavou. Botte-lui les couilles, Gary. Magnifique! Ah oui. C'est trop beau. C'est trop beau. Violence. C'est génial. C'est super. Je crois que je me la rachète en Blu-ray. J'ai tellement aimé. Vraiment. Ah, il est incroyable ce film. C'est super. Ah, ouais. Ça restera un monument du. Je dis la VF. La musique, elle est dingue, quoi. Ah, ouais. Ah, c'est trop bien, trop bien, trop bien. Le pied que t'as dû prendre. Tu vois, je te dis, c'était Dieu, je fais. C'est bizarre, c'est-à-dire que j'ai vu le film et tout, et à l'intérieur, j'ai tout ressenti, il n'y a eu aucune scène qui m'a posé question. Ouais. Aucune, tu vois, aucune. Alors après, être synchroné, le faire pour être dedans, mais c'était dur, mais il y avait une espèce d'évidence, quoi. C'est-à-dire je ressentais tout ce qu'il faisait, sans réfléchir. Ça me traversait le corps, c'est comme quand tu écoutes une musique qui te donne irrépressiblement, c'est comme quand tu vas en concert, tu as envie de sauter partout, tu vois, ça trace le corps. C'était vraiment c'est hyper, hyper physique. De toute façon, je pense qu'on est tous les trois, plus des copains. Moi, personnellement, dans une barre de rythme, je suis extrêmement physique. C'est vrai, d'ailleurs, tu étais un des premiers à enlever la barre pour pouvoir bouger. Ouais. Maintenant, tout le monde l'enlève, on est obligé, mais parce que je tapais dedans, quoi. Donc, j'ai besoin de faire les gestes, j'ai besoin, parce qu'on n'a pas la même inspiration. Je suis pas notre papa de doublage, Jacques Franz, qui, lui, il est arrivé, il se mettait comme ça. Comme ça, Jacques. Comme ça, était là. Ah, Lucien Jean-Baptiste. Il est là, comme ça. Toc. Hop. Il est soufflé, tout machin. Il bougeait pas. C'est vrai. Tout était à l'intérieur, Jacques. C'était fou, quoi. T'as raison. Moi, je l'ai rencontré sur un tournage, Jacques. C'est vrai, pas en doublage? Non. Et la deuxième fois, on se retrouve, c'était pour me... Je crois que je l'ai peut-être déjà raconté, ça. Non. Mais c'était pour rencontrer Jean-Pierre Dorat. Jean-Pierre Dorat, tu sais, il fallait prendre rendez-vous, parce que sinon, il y avait tout le monde qui venait pour passer un essai. Et j'arrive, et c'était Jacques qui doublait je sais plus quel film, ni quel acteur. Et j'arrive à 13h30, et je fais « Bonjour, monsieur Dorat, Boris Rehlinger, je viens passer un essai, très bien. » Il y a Jacques qui est là. « Ah, t'es là, mon grand ?» Je fais « Oui, Jean-Pierre, vous connaissez ?» Je dis « Bah oui, on vient de tourner ensemble, tu fais passer un essai au petit. » Je fais « Bah oui, parce que j'étais petit. » Je fais « Bah oui, montre-moi la scène. » Je lui ai donné la réplique. Non, Jacques, c'est quand même une scène où ça tabasse, dit Jean-Pierre Dorat. Tu sais, physiquement, c'était un truc... Il me donne la réplique, on l'a fait 2 fois la scène. comme s'il l'enregistrait, tu vois. On l'avait enregistré, mais comme si c'était pour le film, quoi. Bam, je recroise Jean-Pierre à 16h, je lui fais, alors comment ça se passe? Il s'est pété la voix en me donnant l'essai. Il est allé à fond les ballons. La générosité du gars, quoi. Il s'est pété la voix. Et ils ont arrêté le doublage le vendredi à 16h. Il est venu le terminer la semaine d'après, tant que ses cordes vocales se remettent en place. Ah là 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 là. Il s'est pété la voix en me donnant la réplique, quoi. Monsieur Jacques Frantz. Monsieur Jacques Frantz. Et monsieur. Voilà. Voilà, qui nous ont tant donné, dont l'éternité et dans l'immanence qui fait. L'immanence, c'est dans le fait qu'on parle des autres et de ce qu'ils nous ont transmis, quoi. Exactement. À charge à nous de transmettre et de ne pas, dévoyer ce qu'on nous a transmis, surtout notre âme d'enfant, quoi. De bien jolis mots. Voilà. Nous enchaînons sur la dernière séquence de cette émission, évidemment. On en a parlé un petit peu. De quoi? Tu regardes citation à SMS. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est pour me dire que ça se passe super bien, que je passe un excellent moment, j'imagine. Dernière séquence, évidemment. On en a parlé au tout début, Adrien Antoine. Évidemment, on ne peut pas parler d'un spécial Batman StreamVF sans parler d'Arkham. Petite vidéo, et puis après on en discute avec tout le monde, et puis surtout avec toi, Carole. Attendez, ces notes sont incomplètes. Il manque la formule. Ce doit être le secret que le Dr Young veut cacher. Si le Joker met la main dessus, il créera une armée de 1000 Bane. Alfred, j'ai pris une clé de cryptage à un garde Tiger. Je vais pirater leur communication. Va te faire! Je n'ai pas de temps à perdre. C'est bon, d'accord. Il est en route pour la salle d'exécution. Avec l'homme. Je te remercie. Maintenant, tu vas faire un petit somme. Quand l'agresseur ou le voleur s'arrête pour réfléchir, c'est de la peur. Voilà ce que je suis. S'ils ont employé des assassins, c'est parce que c'est à cause de moi que les criminels respirent mieux quand le soleil se lève. Alors non, Alfred, je ne suis pas dépassé par tout ça. Je ne serai pas vaincu ce soir. Mais eux le seront. Je suis la vengeance. Je suis les ténèbres. Je suis Batman. Ouais, mais continue à parler, allez-y, mais tu t'es subjugué. C'est vrai que c'est étonnant parce qu'ils n'avaient pas vu le jeu, quoi. Tu vois pas le jeu, quoi. J'avais aucune image. Je venais juste de passer l'essai avec la Warner pour le film et je fais le jeu sans savoir. Mais non, mais l'Arkham, c'est Adrien, toi, t'as fait lesquels? J'ai fait le premier. Il a fait Asylum. Mais non. Et après, c'est énorme. Et après, leur stratégie, ça a été plus d'aller vers le dessin animé, comme. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Et, et en fait, c'était vraiment une introduction au jeu, puisque c'était un jeu à la première personne. Et c'était vraiment qu'une intro. Ah ouais! J'ai pas joué à ce jeu-là, donc. C'est génial, Asylum, il est génial. Les Arkham et très clairement, les Arkham, pour moi, c'est vraiment le comics. Non, t'as fait Batman Begins sur PS2 et les Arkham, c'est Adrien. On est d'accord. Je trouve ça étonnant. Merci. Parce que oui, c'est ça. Okay. Merci le chat, ils sont toujours les meilleurs. Oui, soyons précis quand même. Ça dans le je me rappelais absolument pas ce que c'était le titre. Non, moi, je l'ai pas fait. Moi, j'ai commencé les Asylum. C'était mon pote qui m'a dit faut que tu fasses les Arkham. Ouais, voilà. Tu sais que j'ai toujours pas fait Origins. Qui est bien aussi. Je sais, mais j'ai plus le temps de jouer. Ça veut dire que tu as plein de choses à faire. Ah, je fais des mails et puis je prépare les émissions. Même pendant les vacances. C'est dur, mais ma carrière de gamer s'est arrêtée avec StreamVF. Mais non. C'est pas grave. Tu joues quand même, encore un peu. Et je dois jouer 1 heure ou 2 par semaine. Je suis à 75 heures sur Elden Ring. Oh, wow. Peut-être que j'arriverai en 2024. Oui, je le ferai pas. C'est comme Returnal. J'ai joué 1 heure, je fais comme Julien, je fais merci, oui, c'est tout pour moi. C'est des jeux très très difficiles. Ah, c'est ça. Bon, en tout cas, Arkham, chef-d'œuvre des jeux vidéo. Chef-d'œuvre pour moi des jeux vidéo, surtout Asylum et City. Je trouve que dans Arkham Knight, tout était un peu centré sur justement la Batmobile, qui est quand même une partie importante de l'histoire de Batman. Et qui a, je trouve, était un peu mal, entre guillemets, mise à profit, quoi, voilà. Et puis, tout tournait un peu autour d'elle. La ville était belle, c'était vivant, Gotham était vraiment Gotham, mais Asylum et City, c'était vraiment l'ambiance des comics, l'ambiance de Burton, très sombre et très détective. Très détective, tu vois, avec des enquêtes à mener dans des bâtiments très gothiques. Donc j'en garde un souvenir assez dingue, oui, complètement. Oui. Dans les projets Batman qui pourraient arriver, qu'on parle film, de jeux vidéo, qu'est-ce qui est annoncé, qui va sortir, qui te hype le plus et qu'est-ce que tu aimerais avoir dans ta wishlist de projets pas annoncés? Honnêtement, j'aimerais d'autres films. Ouais. Concrètement, voilà, Batman sur grand écran, c'est complètement fou et j'aimerais un autre jeu, ouais. mais j'aimerais un autre Arkham. Ah ouais, je suis d'accord. Oui, vraiment. Gotham Knights me hype, prochain jeu dans l'univers de Batman. C'est Rocksteady, Knights? Non, c'est... Suicide Squad, c'est... Ah oui. Voilà. Le chat va l'avoir encore. Oui, voilà. Mais par contre, vraiment, moi, en tout cas, c'est vraiment les jeux vidéo et comics. Ah ouais. Mais les comics, il y en a plein. Oui, ça c'est sûr. Il y en a plein de toute façon. Mais un autre film et un bon Arkham, là, je serais totalement à fond. Ah ouais, c'est clair. Parce que, oui, voilà, et même là, dans Gotham Knights, on ne sait pas s'il y aura Batman, je suis sûre qu'il y sera. Il fera une petite apparition. J'espère. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Ils essayent un peu de s'émanciper de Batman. Est-ce que c'est une erreur? On verra. Mais je l'attends avec beaucoup d'impatience. Hein. Ouais. Vous êtes gamer, vous? Toi, Philippe, non? Thomas? Si. Alors. Mais pour des questions de divorce, j'ai le droit qu'à 2 licences. Clash Royale et Clash of Clans. Assassin's Creed et Mass Effect. Ah bah attends, Assassin's Creed, mais grave. Je n'ai droit qu'à ces 2-là, sinon on divorce. Ezio Auditore da Firenze? Si. Tu fais partie de Monterrey-Johnny? Non. Tu n'habites pas là-bas? C'est-à-dire que je n'ai jamais travaillé sur aucun de ces deux licences. Tu fais partie des assassins. Oui. Je me jette en l'air, j'adore, c'est génial. C'est le feu de la foi. C'est d'un réalisme extraordinaire. C'est mes jeux préférés pour ça, pour la plonger dans l'histoire. Et puis la narration est complètement dingue, quoi. Ah ouais. Et voilà, j'y passe 3 week-ends dès qu'il y en a un qui sort, quoi. Parce que je vais tout faire. Les platines? Comment? Tu les platines, les jeux? Tu fais toutes les quêtes et tout? On appelle ça platiner? Oui, c'est ça. Je platine. Ouais. Alors, je platine. C'est vrai. Comme toi, Boris. Alors, et toi, Thomas. Alors, tu te souviens, lors de la 2e émission Just Cause 4. Il a fait bugger un truc. C'était scripté, il a réussi à le faire bugger. Ah bon? Ah ouais. C'est-à-dire que normalement, quand tu arrives à ce stade, tu es capable de sortir avec ton deltaplane de la grotte. Et moi, il me met un truc dans les mains. Je crois que c'est la première fois que j'avais une LE. Pim, et le deltaplane dans le mur, et c'était pas prévu que le personnage sorte et retire son truc pour l'emmener. Et en fait, j'ai dit, tiens, Donald, non, moi je ne joue pas du tout. Parce qu'après, il y a des addictions, il faut quand même pas tomber dedans. Moi, sur l'iPhone, mais plus petit que ça, la première version Assassin's Creed, et Avatar sur l'écran, avec les doigts, machin. Je me couchais à 2h du matin, j'ai dit OK, j'arrête. Là, il y avait juste des doigts. Tu vois, alors que là, toutes les manettes, déjà, le temps que je comprenne comment ça marche, déjà, je vais avoir envie de la casser. En revanche, moi, mon fils, il a peu joué, mais il a beaucoup aimé les Assassin's Creed. Et moi, je jouais avec lui, mais lui tenait les manettes. Je fais, tiens, écoute, là, la taboulée, là. Donc, je jouais avec lui. Ouais. Et puis, moi, j'ai eu la chance de faire tes 2 licences, quoi. Ouais, c'est clair. Wow. Tiens, voilà, Mass Effect et Jack the Ripper dans... dans Jack l'Éventreur, l'image. Et moi, j'adore dans ces... Quand j'ai vu les cinématiques des jeux... Bon, j'ai vu que Mass Effect et Assassin's Creed, je suis halluciné. Quand j'ai fait les cinématiques de... Ou même... Après, dans le jeu en elle-même, c'est souvent un peu moins bien, non? C'est toujours comme ça. C'est toujours pareil. Moi, je suis Jack l'Éventreur dans Assassin's Creed avec le Nord. On est vraiment chez Dickens, quoi, avec les réflexions dans la lumière des pavés sombres. C'est le DLC qui a sauvé le jeu, d'ailleurs. Hein. C'est un esthétisme de dingue. Sur PC, tu pousses tous les curseurs. Si t'as une bonne carte graphique, un bon pros. Oui, si t'as un bon PC gamer, t'as un bon rendu. On va parler de ray tracing et Philippe Valmont. Je l'avais pas prévu ça. Alors du coup, en 120 FPS. Je connais rien. Une fois, je l'ai mis. Moi, je jouais dans les cafés quand j'étais petit. Une fois, je l'ai mis sur le vidéo. Moi, j'ai joué aux jeux d'arcade, quoi. Après, j'ai plus joué. Tu vois, mais je jouais dans les jeux d'arcade, Street Fighter, tous ces trucs-là, quoi. Tu arrêtes, sinon on divorce. C'est dingue, j'adorais ça. Je suis plus vieux. Moi, j'adore ça, donc ça me gêne pas. Je jouais avec les abeilles sur mon PC. Regarde, c'est comme ça qu'on finit l'émission, en fait. Et hop, générique. Regarde, c'est comme ça qu'on finit l'émission. Pac-Man, moi, Pac-Man, ça me fait chier, quoi. Ah non, c'est revenu. Il y avait 2 discussions en même temps. Conversation croisée, je me suis interrompu. Machin, tout ça. Non, mais c'est vrai que c'est quand t'as des beaux jeux, t'as des univers. Sur clavier, c'est génial. Les assassins, quand même, il y a de très bons épisodes. 7 heures à comprendre où tu jumps bien, où la comment réagit ton clavier. Tu préfères ça qu'à la. Moi, je préfère la manette que le clavier souris, mais quand tu l'as dans les doigts, au bout de 6-7 heures, tu vois, tu finis ton week-end. là, tu fais des saltos, des trucs de malade, quoi. Mais je dis toujours vive Assassin's Creed. En tout cas, oui, je viens d'un truc très intéressant. C'est vrai, on n'a pas parlé de la série Gotham, je m'en excuse, mais il aurait fallu 3 heures d'émission. J'ai pas vu Gotham, moi. Mais moi non plus, donc comme je l'ai pas vu. La série sur Netflix ? Ouais, je l'ai pas vu. Ah putain, c'est bien. Moi, je l'ai vu. Je l'ai pas vu. Je me suis cogné. Ah, moi, j'ai. Il y a de belles choses. J'ai vraiment adoré. Je me suis fait avoir, j'ai été pris. Il y a un Batman dedans ? Non. Non, c'est. Comment il s'appelle ? Le grand méchant. Je suis rentré sur le flic. C'est le. J'ai passé le casting pour faire Alfred, d'ailleurs. Il y a une série Alfred, voilà. Mais les gamins. Les gamins dans Gotham, c'est avec le flic. C'est toujours. Et la famille. Comment il s'appelle ? Ils vont dire ça très bien. Le mafieux dans Gotham. Ah, Falcon ? Falcon ! Falcon et Maroni. Et il y a Maroni. Il y a le Penguin, il est génial, je l'ai tout le Penguin dedans d'ailleurs, l'acteur. Il y a toute une discussion sur, pendant le doublage, c'était Falcon ou Falcone. Ah ouais. Oui, on ne savait pas bien. Moi, je dis, j'ai entendu qu'il disait tout Wayne, et moi, je dis non, Wayne, ça s'entend pas trop. Bruce dans le premier, Bruce après. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup retrouvé les comics, pour ceux qui connaissent un peu, Un Long Halloween et Amère Victoire, qui sont en fait deux vraiment gros comics qui se suivent et qui sont très polars. Et donc, effectivement, ça parle beaucoup de la pègre de Gotham. Polar, Polaroid, fin d'émission. C'est beau. C'est magnifique. Je l'ai pas fait exprès. C'est magnifique. Anto vient nous rejoindre sur le plateau. Alors les gars, on va se mettre tous derrière Boris et Carole. Et il faudra dire « Je suis la vengeance ». Chacun à votre tour. Et le dernier qui dit « Je suis la vengeance », le Polaroid sortira. C'est magnifique, c'est la technique, c'est 2022. Ouais, c'est la phrase du Batman. Ah oui. Une transition incroyable, je ne l'ai absolument pas fait exprès. Non, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ou non. C'était Polaroid. C'est vous qui décidez. Je suis la vengeance ou je suis Batman ? Je suis Batman. Je suis Batman, c'est mieux. Allez, je suis Batman. Je suis la vengeance. Bah alors, je suis Batman, je suis la vengeance. Et je suis Batman. Voilà. C'est bon, et ça finit sur toi. Vous êtes prêts ? Ouais. Boris, on t'écoute. Je suis Batman. Je suis la vengeance. Je suis Batman. Et magnifique. Moi, je suis dosé. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Passe-moi la Polaroid là, au lieu de le revendre sur eBay là. Non mais attendez, on n'a jamais vu ça. Merci beaucoup pour ce gros kiff. Ça va arriver là-dessus. C'est beau. Oui, regarde ça, ce cadre. On est arrivé au bout du cadre. Tu peux le montrer à la caméra là. Ah, tu l'es pas. Ça et le cadre. C'est-à-dire, alors. Non, mais c'est une honte. Pikachu. Qui a tombé ? Pikachu. C'est une photo. J'ai pas mes lunettes. Mais je vais dire. Ah, et ben, c'était Greg Germain et Mike Dara. C'est Pikachu dans Pikachu, c'est pas. Pikachu n'a rien à voir dans Pokémon. Dans Pokémon, en fait. C'est Pikachu dans Pokémon. Nous sommes Batman. Tu vas réussir à nous faire tomber une caméra, hein ? Batman. Non, c'est beau. Bon les amis, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Je voudrais vous remercier tous d'être venus. Eh oui, il est l'heure, 22h07. Merci de ne pas être allé sur Koh-Lanta et d'être avec nous en direct. Et si vous nous regardez sur YouTube, bah voilà, ça se passe en direct. Vous pouvez poser vos questions. On essaie de prendre un maximum. 2h10. On a passé 40 minutes. Ouais. Non, non, c'était pareil 2h. J'ai pas voulu te. C'était 2h. Mais en tout cas, je voulais vous remercier. 2h10 là. Ouais, c'est ça, 2h10. Bah on est toujours un peu en retard. Toujours un peu. Du coup, ouais, merci à tous pour votre fidélité. Vous nous regardez en direct et pas sur YouTube. Alors, YouTube, c'est cool, mais c'est cool le direct, discuter avec vous, poser des questions, c'est quand même quelque chose de bien cool. Et puis, je sais pas jusqu'où pourra aller notre replay avec tous les extraits qu'on a passés, mais sur Twitch, bah, tout est en clair, on voit bien, il n'y a pas de problème de copyright, on est vraiment entre nous. Donc merci en tout cas d'être là. Je remercie notre sponsor Western Digital Black pour toute la saison, pour nous permettre de faire cette émission. Merci à toutes les équipes de Mini Dose Prod, on est beaucoup. Anto, merci à Real Scorsese, chapeau, ce que tu as fait pour l'émission là ce soir. C'est comme ça, t'as même pas été viré, c'est quand même la classe. Nicolas, le boss à la réal, tu nous as régalé. Merci à Raph aussi pour les effets, pour le début de l'émission. Arthur pour le son, pour tout, bravo. C'était vraiment plaisir d'avoir cette équipe soudée. C'est un grand plaisir de pouvoir la développer avec vous toutes les 2 semaines. On remercie aussi le petit nouveau, Moustache, qui nous aide, qui est passé de fan de l'émission à bosser avec nous pour trouver les extraits. Donc on commence à avoir une bonne équipe pour pouvoir faire tout ça. Qui j'ai oublié, Retrographics, magnifique affiche, franchement, ça a de la gueule. Vous le trouverez sur Twitter, un graphiste de talent. N'hésitez pas à bosser avec lui parce que ça se fait pas tout seul. Et on te remercie pour ton talent. J'y remercie Raph, toutes les équipes Webedia de Marion, Linda, et évidemment sur le plateau, Carole Merci mon Batman. Merci, bah, merci à Batman. Toi, c'était trop cool. Je suis ta Batman. Docteur, c'était un plaisir. Docteur S. Batman, exactement. Et merci à toi parce que vraiment, moi, c'est ma troisième émission. Ouais. Tu fais ça vraiment très très bien. Merci beaucoup. Ah oui. Ah bah, très chaleureux. Ça fait plaisir. On a vraiment l'impression d'être reçu dans le salon d'un pote. Ah bah écoute, bon, c'est pas ton salon, mais t'es un ami. Donc. Bah, mais... C'est ça qui est cool. Mais en tout cas, on a discuté, on oublie les caméras et on est avec vous, encore une fois. Merci du coup, Boris, c'était magnifique. Non, je pense que vous êtes d'accord. Ouais, c'était vraiment très bien. T'as une conduite, ça fait que c'est très confortable. On sait, tu sais où ça va, c'est souple et il y a un énorme boulot de l'équipe derrière aussi. Ouais. J'espère qu'il y a des gros pros, pas des GoPros, des gros pros. Qui sauront voir ça, sa vivacité. Philippe Risoli. Et qui viennent te proposer d'autres sponsors. De tourner les lettres. Ouais. Augmenter ton ODV, ton occasion d'être vu. Et puis, du coup, ben, nous aussi. C'est beau. Ah bah, en tout cas, ça nous fait plaisir de passer en lumière ce beau métier. Merci Philippe. Bravo. C'était un plaisir, merci. C'est une première pour moi. Je me suis régalé aussi. Bravo. J'ai passé un beau moment. Merci. Les gars. Et notre nouveau Batman. Merci Thomas. Merci à vous. C'est trop cool. Merci à tous ceux qui ont fait des dons, des subs. Évidemment, on ne vous oublie pas. On aura des cadeaux à vous envoyer, dédicacés. Tu vas nous harceler. Oui, comme tu connais. Voilà. T'es où là aujourd'hui? J'ai de quoi dans ma voiture, j'ai les trucs, faut que tu les signes. Alors, c'est Antoine qui va s'en occuper cette fois. Il est un peu labour, mais il s'en occupe. Donc, si jamais vous avez des problèmes de livraison, c'est Antoine. Son numéro de téléphone, c'est 06. Non, bon, d'accord, on va rester tranquille. Une émission comme... Ouais, non, donne pas le mien, c'est bon. Une émission comme celle-là ne peut pas se terminer sans un hommage à nos regrettés Pierre Attet et Patrick Osmond qui ont marqué l'histoire de Batman et ô combien avec maestria. On leur dédie cette émission. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Et puis juste après, il y a un raid chez nos potos de la Bordasserie. Donc restez avec nous. On se retrouve dans 15 jours. Merci à tous. C'est StreamVF spécial Batman. Moi, je le ferai jamais aussi bien qu'eux. Bisous. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye bye. Surprise! On m'a toujours dit que j'aurais dû faire de la télévision. Tu ne voudrais pas rater ça, vraiment? Ça va péter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Joyeux Noël, monsieur Wayne. Joyeux Noël, Alfred. Et aux hommes de bonne volonté. Et aux femmes.